off top. Get guap, the hood got heavy metal like Slipknot. I hustle for my chain like a pit stop. I used to want to grip grain to my wrist lock. Ooh, now I want a BMW i3. His little brother's on point like Kyrie. My mama taught me never let a sucker chop me. But if he do, draw blood like an IV. I'm a lover, not a fighter dog. But I done earned most stripes than the tiger claw. Low key, fat can't fight at all. But she got a CHL if you tryna brawl. All peace, no war. I need bang like a backboard. I'm tryna get my mama out there at four. I just feel like she look better in the black. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous. C'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les dimanches, à savoir, nous ne sommes pas en consultation. C'est vraiment un échange où on est entre amis, entre collègues, on ne travaille pas, on se détend et on donne nos avis et nos points de vue, ce qui peut aider plus d'une personne. Voilà, c'est la petite précision du jour. Sachez que vous pouvez intervenir ou interagir, ou donner votre avis, votre point de vue, ou seulement, ou tout simplement votre expérience, nous faire part de votre expérience en appelant le 09 70 40 55 20. Je répète, le numéro c'est le 09 70 40 55 20. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon invité spécial qui s'appelle Massiga de Messigla. Je t'en prie, présente-toi. Bon, bah bonjour à tous, donc j'espère que vous passez un bon dimanche. En tout cas, moi je suis en bonne compagnie. Alors, moi je me présente, donc je m'appelle Messi Glam, je m'appelle surtout Massiga sous le nom de Messi Glam sur Facebook. Donc, je tenais à remercier Assa de m'avoir invité cette journée pour pouvoir parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser. Avant ça, je vais vous parler un petit peu de moi rapidement. Donc, je suis une jeune femme, donc 28 ans, gambienne, et je suis également créatrice de mode. Donc, j'ai une page un Instagram qui s'appelle Messi Wax. Donc, je confectionne des vêtements prêts à porter, donc femmes et hommes et enfants, notamment le wax. Donc, je vais en Gambie. Donc une à deux fois dans l'année pour pouvoir confectionner ces vêtements. Donc ça va faire, disons, 3 ans que j'ai commencé ça. Voilà. Donc je vais pouvoir vous laisser mes coordonnées à la fin pour pouvoir me contacter si vous avez besoin de... On marquera ça sur la vidéo. Voilà, et comme ça, tout sera fait. En tout cas, merci pour ta très belle présentation, Massiga. Je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté mon invitation. Nous allons passer à la présentation de Mister Yannick. Je t'en prie, présente-toi. Yannick Yao, entrepreneur. Je travaille dans les réseaux sociaux et avec des petites et moyennes entreprises. Je les aide à développer leur activité via les réseaux sociaux, leur chiffre d'affaires. Je les aide grosso modo à gagner plus d'argent via les réseaux sociaux. Voilà. Et en parallèle, j'ai aussi développé l'unique site internet qui permet à des étudiants qui font du sport de pouvoir intégrer l'université américaine en sport et études qui s'appelle la westtv.com. Voilà. Merci Yannick pour ta présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. L'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est un mythe, un doux rêve provenant de nos séries télé? Où la réalité est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les internautes, sur l'amour inconditionnel? Je vous écoute. Messi Glam, tu connais l'amour? Qu'en penses-tu? Je connais l'amour, c'est un très bon sujet. C'est un bon sujet. C'est un sujet que je pense qu'on est tous touchés par ça. D'accord. Que ce soit l'amour... des proches, l'amour avec son partenaire ou autre, donc je pense qu'on est tous touchés, donc je pense que c'est un sujet assez intéressant quand même. D'accord. Je vais vous parler de toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? Doit-on tout accepter au nom de cet amour? Vrai ou faux? Une femme amoureuse est beaucoup plus investie dans sa relation que son homme quand celui-ci prétend l'aimer autant. Qu'est-ce que c'est que le véritable amour? Non. Je lis vraiment mal. Est-ce que le véritable amour inconditionnel ne concerne que les relations parents et enfants? On peut ne plus aimer son ou sa partenaire, mais est-ce possible de ne plus aimer ses enfants? Pourquoi voulons-nous une histoire d'amour sans accroc alors que
la vraie vie est faite de haut et de bas. La vraie vie. La vraie vie. L'espagnol. Est-ce réaliste de croire et de vouloir rester toute la vie avec la même personne à notre époque? Voici les questions du jour. Donc nous allons débuter avec... qu'est-ce que c'est que l'amour incontournable? N'oubliez pas d'interagir, donnez vos avis, vos points de vue, etc., etc. au 09 70 40 55 20. On commence? Qu'est-ce que c'est que l'amour déjà, à la base? L'amour inconditionnel, ouais. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour déjà avant d'aller à l'inconditionnel? C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Messi, Massiga. Bah, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est, selon moi, c'est être attachant, plus qu'attaché à une personne en fait, en vérité. D'accord. Donc après cette attache-là, je pense qu'il y a des niveaux. Bien sûr. Donc je le vois comme ça. Après, faut vraiment avoir connu l'amour pour être en parler. Pour pouvoir en parler. Ouais. As-tu connu vraiment l'amour? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. D'accord. Il n'y a que des preuves d'amour. Ok, donc en gros, tu es en train de dire ce qu'une personne peut ressentir peut être faussée s'il n'y a pas de preuves. C'est pas qu'elle est faussée s'il n'y a pas de preuves. C'est que tu peux me dire je t'aime 1 million de fois, mais derrière, s'il n'y a pas d'action qui montre ça, pour moi, c'est incompatible avec le fait que tu dises que tu aimes la personne. Quand tu dis que tu aimes par exemple ton enfant, tu le dorlotes, tu lui donnes à manger, tu le changes, tu le protèges, ce sont des preuves d'amour, il y a d'action. Donc derrière, ce qu'on voit éventuellement dans les films de je t'aime, je sais pas quoi, machin et tout, si derrière, pas la vraie vie, s'il n'y a pas d'action derrière. C'est un peu compliqué. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? J'ai fait ma petite recherche dessus. À savoir, notre cerveau est comporté de 3 parties. D'accord. La première partie, c'est la partie reptilienne qui va dégager tout ce qui va être sensation. D'accord. La partie limbique qui va plutôt, après, à la suite de ça, en deuxième temps, prendre le relais. Donc du coup, il va plutôt faire ressortir tout ce qui est émotion et sentiment. Et pour ensuite le transférer vers le néocortex. Donc du coup, l'amour, c'est mental. Quand ton cœur il bat plus vite parce que tu aimes une personne, c'est pas forcément le cœur qui parle, c'est le cerveau qui parle. Parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, notre cerveau, il est rattaché, relié à tous nos sens. Les 5 sens, hein, je pense que vous les connaissez tous. Parce que déjà, comment t'es parti, cerveau reptilien, machin. Je pensais qu'on était dimanche, ça devait être tranquille. Là, mais on est dimanche, mais il faut que les gens comprennent que l'amour... Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Mais en un deuxième temps, tu as des gens qui n'ont pas ces preuves d'amour-là, mais qui sont quand même attachés. Pourquoi ils sont attachés? C'est leur cerveau qui est attaché à la personne. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que je te réponds avec tous ces textes-là, avec tous ces... Je savais que t'allais me dire ça en plus. Il est tellement... Tu t'es mis en veste bien propre et tu rajoutes des gros gros mots en français. Donc là, normalement, c'est pas ça. Bref. Non, mais que notre cerveau. Ah, Amélia, toi, elle approuve. Ok, bref. Que notre cerveau soit rattaché à les sentiments, c'est parce qu'il y a eu des actions qui ont mené à ces sentiments d'attache. Pas forcément. Si. Si, si. Quand je peux expliquer ça de manière un peu plus palpable. Tu veux dire qu'une personne peut tomber à... Donc son cerveau peut être accroché à une personne, mais que, parce que tu te rappelles... ce n'est pas possible s'il n'y a pas eu de séduction, s'il n'y a pas eu de jeu. Non, s'il n'y a pas eu... Pour moi, de toute façon, il n'y a que dans la difficulté que réellement l'amour grandit. Bien sûr. Quand tout est beau, c'est très facile en fait. Ouais. Mais quand tout est beau, c'est très facile. Quand ça devient plus compliqué, c'est là que tu vois réellement si l'amour il est présent. Il est présent ou pas, exactement. Quand c'est vraiment dans la difficulté. Quand en difficulté, tu vois. Tous, quand on a. Avec nos amis par exemple. Nos meilleurs amis, ce sont ceux avec qui on a fait les 400 coups et on a eu des choses compliquées. Même si tu t'en rappelles après, vous en rigolez. Mais les difficultés que vous avez vécues font que, ouais, effectivement, tu aimes cette personne-là. Ouais. Ta maman ou même ton père, c'est la même chose de toi. T'aimes parce que
dès que tu es né, ils ont dû te protéger, te ramener à l'hôpital, ouais. Tout ça. Moi, j'ai une amie à moi, une très bonne amie, c'est comme une sœur pour moi, avec qui j'ai été à l'hôpital, je crois que c'était... Est-ce que c'était le jour de l'an ou après le jour de l'an, Noël, je ne m'en souviens plus de quelle période. Mais je t'assure que la voir comme ça, j'ai pas d'enfant, et c'est une jeune femme. La voir comme ça, avec son enfant, à l'hôpital, sur lui... Sur elle. Oui. C'est clair que plus tard... Enfin, elle pourra pas ne pas aimer cet enfant. Ouais, elle a vécu tellement de choses avec lui, tu vois, que c'est pas possible de ne pas aimer cette personne. Et quand tu me dis que c'est rattaché au cerveau reptilien ou reptilien, peu importe, tachin et tout, c'est parce qu'il y a eu toutes ces problématiques-là qui font que, ok, le cerveau, il se souvient de cela. D'accord. Donc en gros, je suis en train de me dire qu'on ne peut pas aimer une personne au premier abord parce que mes yeux ont vu cette personne. Et cette personne est l'idéal de ce que j'apprécie. Ce que tu aimes, enfin, on utilise ce mot, excuse-moi, on utilise ce mot-là, amour, pas à tort et à travers, mais on l'utilise... Pas correctement. Ouais, parce que si tu connais une personne, elle t'a peut-être attiré physiquement. Oui. Tu es tombée amoureuse, et même les quelques semaines, les quelques mois, même peut-être les deux premières années, il y a ce papillon, machin, et voilà. Mais pour moi, c'est pas là où vous avez construit quelque chose. J'ai des amis à moi, j'ai 34 ans, d'accord ? Ils se sont mariés. 2-3 ans après, ils n'étaient plus ensemble, ils sont divorcés. Alors que pour autant, ils disaient qu'ils s'aimaient. Ils s'aimaient, c'est ça. Donc non, c'est pas que tu l'aimais, c'est que physiquement, vous voyez, homme comme femme, on est tous attirés par quelque chose qui nous séduit. Après, il y a peut-être une gestuelle, un langage, il y a aussi... financier, il y a aussi les plans qu'il y a dans la tête, et tu dis ok, c'est réellement lui. Mais réellement, c'est quand vous êtes ensemble 24 heures sur 24, que quand vous vous réveillez ensemble, elle appuie son maquillage, sa bouche, c'est bon piqué. Et lui aussi, quand il va aux toilettes, machin, tu dis oh, c'est merde! Ouais. C'est là, effectivement, tu sais si tu aimes la personne. Pour moi. Donc, on dit je t'aime, ok. On a tous autour de nous vu ou vécu des histoires. Où ça a duré pas très longtemps parce qu'effectivement, on était juste attiré physiquement en fait. T'es attiré physiquement et du coup, tu as besoin de contenu beaucoup plus solide pour pouvoir créer ce sentiment, le développer du coup avec la partie de ton cerveau et en faire en fait un vrai et un véritable amour. Toi, t'es une scientifique, moi, mon cerveau. Non, c'est pas une question de scientifique. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mmh. T'as besoin d'avoir du concret, du vrai contenu pour pouvoir se dire c'est lui le bon, c'est lui la bonne. Aujourd'hui, c'est important ce que tu as dit, il ne faut pas confondre amour, il ne faut pas confondre attirance, ou tout simplement, je ne vais même pas dire, je ne vais pas utiliser le mot addiction, mais le fait d'être habitué, il y a un mot pour le... Hein? Il y a un mot pour... Ouais, l'attachement peut-être. Pas confondre. Tu t'attaches dans tous les cas, et c'est bien. Enfin, on a... Parce que toi, ils sont dans leur mariage, mais il n'y a plus d'amour en fait. Ils sont ensemble pendant des années. C'est... Ils tiennent pas autre chose. C'est oui, voilà, c'est l'habitude, c'est l'attache, c'est ça en fait. C'est plus vraiment l'amour. C'est bien. Enfin, donc, du coup, je me demande vraiment si l'amour ça existe vraiment en fait. Merci, parce que. Non, mais c'est très bien ce que tu dis, et c'est très bien que tu aies commencé par essayer de définir c'est quoi l'amour. Moi, je pense qu'on est trop. On est très plutôt focalisé sur ce qu'on nous montre, ce qu'est un couple idéal, ce qu'est l'amour. C'est ça. Et pas sur la réalité. Nos parents, nos arrière-grands-parents, ils n'étaient pas tout le temps à s'embrasser, tout le temps. Non, mais après, s'embrasser tout le temps, est-ce que ça c'est vraiment de l'amour ? Non. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que ce qu'on a dans la tête. On peut aimer une personne sans forcément l'embrasser. Hein. La vision que tu as de l'amour, c'est quoi ? La vision que tu as de l'amour, c'est quoi ? La vision que. La vision que j'ai de l'amour, comment j'idéalise l'amour, c'est ça? Non, quelle est la vision pour toi de l'amour? Pour toi, l'amour c'est quoi? Alors pour moi, l'amour qu'est-ce que c'est? C'est deux personnes. Non, pour toi, toi. Oui, bah deux personnes, donc une personne moi et une autre personne, donc deux personnes. D'accord, toi et ton autre personne, ok. Moi et mon autre personne, on se comprend, on se complète, on partage. T'as vraiment te regardes. C'est pour ça que je prends du recul en fait, tu vois. Donc laisse-moi prendre mon recul tranquillement. On partage, on a des projets en commun.
Il me fait progresser, il accepte mes défauts, parce que j'en ai beaucoup, mine de rien, je suis à ça. Et j'accepte les siens aussi parce que je suis attachée à autre chose que son physique et que ses finances ou que ce qu'il a à m'apporter. Donc pour moi, ça c'est l'amour véritable. Et toi, même si après, je suis bien. Pareil. Ouais. C'est vraiment ça pour moi. Enfin, même physiquement parler, on dit. C'est vrai que le physique ça compte, quoi qu'il arrive, il faudrait. Premier abord, une petite attirance, mais c'est pas vraiment sur ça que. Moi en tout cas, je me base. Je tiens à souligner, aujourd'hui, beaucoup de gens. Là, je souligne parce que j'ai eu un gros clash la semaine dernière sur une relation où deux personnes qui se mettent ensemble pour le physique. À savoir, aujourd'hui, il ne faut pas se mettre avec quelqu'un pour le physique. Non pas parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, il est gros, il est musclé, il est maigre. Et bien, cela va faire qu'il va apporter quelque chose de plus. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut avoir un mec grand, maigre, qui va rien m'apporter. Quand j'ai apporté, c'est comme ce que je viens de développer, qui va me faire grandir, qui va me soutenir. Quand je dis soutenir, c'est dans les moments difficiles, dans les moments positifs. Il va me faire progresser, me reprendre de mes erreurs, non, me reprendre sur mes erreurs de manière productive. Or que je peux aller avec une personne qui ne va pas être forcément à l'image de ce que j'ai du bel homme, mais qui va pouvoir m'apporter tout ça. C'est important. C'est vraiment important. Aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent ensemble pour le physique et c'est faux. Le physique change. On peut se mettre avec une personne qui est à notre idéal et dans 5 ans, cet idéal-là peut être changé suite à un accident, suite à des enfants, suite à plein de trucs. Il y a plein d'événements qui font que ça peut changer. Du coup, bah, on est marié, on est engagé. Il faut arrêter de se mettre ensemble pour le physique. Et je souligne vraiment, c'est hors sujet, hein. Je souligne ça parce que je veux que les gens comprennent. Que c'est vrai, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand décalage. Par exemple, moi, je ne me vois pas avec un typologie de personne. C'est quoi cette typologie de personne? Par exemple, je ne sais pas, moi, un Saoudien ou je ne sais pas. Il ne faut pas qu'il y ait un trop grand décalage. Voilà. Mais par exemple, on ne va pas mettre. Voilà, faut pas qu'il y ait un trop grand décalage, mais faut arrêter de se mettre ensemble pour le physique. Ouais, petite parenthèse. Mais c'est compliqué. Je rouvre ta parenthèse. Compliqué puisque c'est la première chose qu'on voit. J'ai précisé qu'il faut pas qu'il y ait un trop grand décalage. Mais c'est subjectif. Chacun a sa vision. Tout à fait, bien sûr. Mais après, il peut avoir un très grand décalage. Mais si ce décalage ne me dérange pas et au contraire ce décalage m'attire. C'est ça. C'est toi qui as dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un très grand décalage. Il ne faut pas qu'il y ait un très grand décalage mental par rapport à la personne. Qu'on lui demande de faire un trop grand effort sur le physique de la personne. C'est ça que je veux dire. Il faut comprendre à travailler par travailler au-delà de ce que je dis. Qui comprendra pourra. Bref, on va lire les commentaires. Tu peux remonter, s'il te plaît, Yannick, merci. Bonjour à tous, bonjour Kaby. Bonjour Amédia, à tout, comment tu vas? Elle a approuvé Yannick ce qu'il a dit, descends là. Qui? Amédia. Toi tu veux pas dire. Mais j'ai dit qu'elle a approuvé. Shaibou, coucou, comment tu vas? Sionali, ça va ma belle? Tu te rappelles de Sionali? C'est elle qui a appelé la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines. Déroulo, bonsoir, comment allez-vous? Kaby, elle a dit amour rend aveugle aussi. Quand, bah oui, quand l'amour est trop fort et qu'on ne veut pas prendre conscience de certains, je veux pas dire faux pas, parce que les humains on est tous imparfaits, mais de certaines tromperies ou de certaines. T'es pas aveugle, t'as vu, c'est juste que tu veux pas. Ouais, parce que tu es beaucoup trop imbibulé par cet amour, que l'homme peut venir te raconter une alternative différente de la situation. Et toi, tu vas le croire parce que tu as envie de le croire. C'est incroyable. Et tu as envie de pas te faire mal, en fait. C'est ça, en fait. Tu n'as pas envie de souffrir, tu n'as pas envie d'avoir mal. Donc, tu préfères t'en tourner et dire, OK, elle a raison. Alors, Amigato, elle a dit, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est quand ça va pas, on gère et vit les épreuves positives et négatives de nos jours. S'il y a difficulté, paf, divorce. S'il y a différence d'opinion, pas de divorce. Pas de divorce, c'est triste.
Donc en gros, pour toi, l'amour inconditionnel, c'est je reste quelles que soient les périodes, quelles que soient les... Voilà, je suis d'accord. Kaby, elle a dit, l'amour, ça veut dire de s'exprimer envers la personne, que ce soit parent, ami, enfant. Une bonne communication, c'est très important. Ah mais là, t'as soulevé un truc super important, Kaby, parce que dans tout type de relation, même s'il n'y a pas d'amour, hein, entre collègues, avec une personne, je ne veux pas dire que je croise dehors et qu'il marche dessus, je ne vais pas lui dire, hey, t'as marché sans plus, ça m'a fait mal, donc je t'explique que... et que les Louboutins vont coûter cher, donc ça aussi c'est de la communication, mais inutile, tu vois. Donc ouais, c'est important dans une relation, quelle que soit la type logique de relation, d'être dans la communication. Je suis d'accord, Kaby, c'est très bien. Tu vois, ton truc, il met du temps, parce que là, je vois qu'il y a des gens qui ont réagi, mais ça n'a pas apparu. Bah, c'est pas grave. Donc du coup, est-ce que tout le monde a donné son avis sur l'amour? T'as pas beaucoup parlé, mais si on parle trop, nous. Je vais arriver. C'est vrai? Ouais. Ok, est-ce que t'as envie qu'on reste sur la question ou pas? On passe à la question suivante. Alors, la question suivante est, doit-on tout accepter au nom de cet amour? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je vous écoute, les gars. Les gars. Alors, Messi Gag, est-ce qu'on doit tout accepter au nom de cet amour? Non, je pense pas qu'il faut tout accepter. De toute façon, dans la vie, il ne faut pas tout accepter. Il faut faire la part des choses dans toute... circonstances, donc non, moi je pense pas qu'il faut tout accepter. Faut plutôt bien élaborer les choses, bien départager les choses, mais accepter aveuglement. Et toi, Yannick? On parle de l'amour inconditionnel. Ouais, si tu dis que tu aimes inconditionnellement, à condition, tu dois tout accepter sur ce plan-là. Mais quand tu dis tout accepter sur quoi exactement? Parce que justement, c'est de là où. Où le nom est. Il y a un peu de négatif, il est là. Il y a un peu de négatif, c'est là. Dans le sens où, quand je dis qu'on ne peut pas tout accepter, c'est que justement, du fait que tu aimes inconditionnellement, tu ne peux pas tout accepter en fait. Il faut qu'il y ait. Ah bon? Oui. Inconditionnellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Je t'aime à fond. Donc peu importe ce que tu vas faire, je vais te réprimander, pas de soucis. Mais bon, je l'accepterai. C'est-à-dire, quand j'ai accepté, pour moi, accepter, c'est-à-dire que je reste avec la personne. Comme c'est Amidiatou qui a dit. Bon. La personne, tu l'acceptes, mais après. Donc, quand c'est passé, ok, t'as accepté, vous avancez. Oui. Toi, tu dis non, au nom de l'amour inconditionnel. Non, il ne faut pas tout accepter, en fait. C'est ça que lui dit. Et toi, Yannick, qu'est-ce qu'on parle? Donc, toi, tu dis qu'il faut tout accepter. Non, je dis que vous avez fait un contrat au départ. Si tu sors du contrat, tu finis. Maintenant. Si tu me dis que vous aimez à je sais pas quoi, ouais, tu dois tout accepter. Ok. Donc, moi, mon avis sur ça, ça va être super. Alors, la vie. À mon avis, moi, sur ça, ça va être. Ok, j'accepte beaucoup de choses au nom de cet amour parce que nous avons décidé de faire un grand parcours ensemble, un parcours de manière indéfinie en termes de temps. Ok, je vais accepter beaucoup de choses, mais par contre, à partir du moment où ma personne, ou par exemple, je vais pas accepter que tu me parles. Ok. Voilà. Je vais pas accepter que tu me voles ou que tu me ramènes 4-5 enfants de dehors. Ouais. Il y a des limites. Il y a des limites en fait. Non, mais en gros, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, mais y a pas de j'accepte tout à partir du moment où c'est dans le foyer. T'as fait des erreurs, t'as oublié de payer le loyer, t'as fait des écarts, t'es parti jouer avec l'argent, t'as perdu l'argent, t'as cogné la voiture, t'as crevé le pneu. Tout ça, j'accepte, mais il y a des choses. Tu viens, oui, voilà, battre ta femme. Ou... Parce que c'est vrai, en plus, parfois, justement, avec cet amour, tu sais, il y en a, elles acceptent tout. Même, justement, le problème, il en vient à là, en fait. Elles perdent en estime. C'est ça, en fait. Et elles perdent vraiment et elles disent, je l'aime tellement que, voilà, même s'il fait ça, oui, mais bon, il m'aime, je l'aime. Non. Je ne suis pas une femme et je n'ai pas reconnu de femmes qui. De ce récit, qui ont donné ce récit-là. Mm-hmm. Maintenant, quand j'entends ça, je dis. Pour moi, c'est pas forcément de l'amour, pour moi, c'est de la peur. La peur de quoi? Quand tu te fais battre et tout, et
effectivement, tu... Non, Thomas, elles sont... Je sais pas, mais il y en a vraiment. Malheureusement, il y en a. Elles sont amoureuses et elles acceptent vraiment tout. J'aime tellement... Pour moi, on n'a qu'une vie, d'accord. J'aime tellement cette vie-là qu'il est inconcevable que tu puisses me faire quelque chose et je vais quand même rester avec toi, en fait. Donc quand je pense à ça, tout ça, je dis, ça ne peut pas être de l'amour, c'est éventuellement de la peur parce qu'éventuellement, financièrement, tu risques de faire certaines choses. Au niveau, puisqu'on a certaines pressions familiales et certaines idioties, je dirais, de comment ça s'appelle, de la communauté qui font que bon, tu vas rester dedans pour ne pas que le regard des gens, ce genre de choses. Mais dire que c'est de l'amour, j'ai... Pour moi, enfin, tout ce qui est amour, on peut l'amour, il n'y a pas de violence volontaire. Parce que c'est volontaire si tu passes, si tu tapes ta femme, entre guillemets. T'as certains pervers narcissiques qui... tout le temps ces gens-là. Guys, c'est incroyable, hein. Qui ont la force de faire comprendre à ces femmes-là qu'ils les aiment de manière inconditionnelle. Voilà, c'est bien que je parle. Et qu'ils les battent, mais c'est pas de la violence physique, comme tu dis. C'est de la violence parce que je t'aime, je veux que tu progresses, bébé. Donc, je t'ai frappée, pardonne-moi, mais... Et toi, grande femme, indépendante, monsieur... Non, mais moi, je peux pas tomber sur ce type d'homme-là, c'est pas possible. Okay. C'est pour ça que Dieu ne m'a jamais mis un homme comme ça sur mon chemin parce que je sais pas, je l'ai fait fuir en disant bonjour, je crois, il doit se dire non, hey, c'est bon, c'est mort. Fais attention à ce que tu dis. Oui. Tu vas débarquer. Voilà, mais en gros, c'est pour te dire qu'ils arrivent à leur faire comprendre à ces femmes-là que si je t'ai battu, c'est dans ton intérêt. Et je l'ai fait malgré tout ça, je t'aime plus que tout. Exactement. Et ces femmes-là, elles y croient parce qu'elles ont besoin de cet amour-là. Des fois, t'as des femmes qui confondent l'amour homme et l'amour père, et du coup, l'amour paternel, et du coup, elles se retrouvent mélangées dans leurs sentiments, dans leurs émotions. Donc du coup, cet homme-là, oui, dans leur tête, si tu veux aussi, parce que tout vient de la tête. Ouais, et du coup, ces femmes-là, elles sont... Quand l'homme va leur sortir ça, elles vont comprendre que cet homme-là, il m'apporte l'amour d'un homme, il m'apporte l'amour d'un père. Il m'a frappé aujourd'hui, il a raison de me frapper. J'ai merdé. C'est ma faute à c'est moi. C'est ma faute, mais il m'aime quand même. T'en as même, elles partent. Elles partent, hein. Elles se disent, elles sont des personnes qui vont dire, mais reste pas dans ça. Oui, ok, elles vont partir, mais elles vont revenir vers lui. Elles reviennent. Le mec, il vient le chercher au calme. Elles reviennent. Ah oui, tu peux, crois-moi, il y a une qui arrive. Ah bah ouais, mais... Je dis pas, il y a des cas. Non, parce que c'est pas des cas, c'est des femmes qui ont besoin d'être prises en charge, qui ont besoin d'être accompagnées. Ça veut dire quoi, Mariam Sangaré a rejoint la vidéo? Mariam Sangaré, c'est ma cousine. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en d'ici. Mais laisse-la regarder, pourquoi tu la laisses t'incarner? Enchantée, Mariam Sangaré, n'hésite pas à interagir si tu as des avis, des envies, à le faire part. T'es à Abidjan, reste à Abidjan d'interagir. Tu peux appeler au 09 70 40 55 20. N'hésite pas, nous sommes là, on répond à toutes tes questions. C'est en Côte d'Ivoire. Laisse-la tranquille. Donc voilà quoi. Donc en gros, on dit que. Non, faut pas tout accepter au nom de cet amour. Non, bien sûr, faut pas tout accepter, mais je dis que c'est pas de l'amour. Je dis que c'est autre chose, c'est de la violence. J'aime pas mettre les choses dans le même panier. Par exemple, je viens de Saint-Denis. J'ai des potes, ils font des trucs de. Ils faisaient et ils continuent à faire des trucs de fou. D'accord. À chaque fois qu'on parle à la télé ou dans certains journaux de Saint-Denis, ce qui se passe et tout, je me sens jamais concerné par ça. Et pourquoi? Parce que c'est pas moi en fait. Quand on dit, ok, les gens de Saint-Denis foutent le bordel ou le 93, c'est un truc de fou et tout. Exactement. Oui. Pour moi, je me sens jamais concerné par ça. C'est pour ça que je dis, c'est pas de l'amour, c'est pervers narcissique si tu veux. Et la personne, cette jeune femme-là, a besoin, effectivement, d'aller voir quelqu'un, un pasteur, un imam, une psychologue, parce que c'est mentalement, pardon, elle a plus d'estime de soi, déjà d'une part, parce que ce que tes parents t'ont pas fait, ou tes frères t'ont pas fait, quelqu'un d'essayer de faire ça, c'est que vraiment tu t'aimes plus réellement. Non, pas forcément. Dire que c'est de l'amour, elle reste par amour,
Je ne crois pas, je crois juste qu'elle est malade. Donc là, au sens scientifique. Là, on a pris l'exemple de la violence, on est d'accord. Ouais. On a pris l'exemple de la violence. Ouais. Admettons que tu es marié à un homme et tu l'aimes tellement, tu vois que l'homme il va pas travailler, il est là, il se dit oui, demain je vais travailler tous les jours, il dit il va y travailler demain, mais il va pas travailler, il dort, il est là, il est chez toi. Mais en fait, tu le quittes pas parce que tu dis tu l'aimes trop. Donc t'acceptes tout en fait. T'acceptes tout. Et là, en fait, le problème il est là en fait. C'est tellement t'es. T'es imbibé par cet homme, donc du coup tu te dis bah non, je vais pas le quitter. Il m'a dit demain il va y travailler, demain il va chercher le travail, et non. Elle garde l'espoir parce que l'espoir fait vivre. Je dis pas le contraire. Et ça c'est vraiment de l'amour, mais. Et pourtant t'acceptes tout, mais c'est pas forcément quelque chose. Tu as totalement raison, c'est un très bon exemple que tu prends. Ouais, c'est un très bel exemple. C'est un très bon exemple. Maintenant, et je le répète, on a chacun, on est tous, comment ça s'appelle gardien de notre vie. On est tous le maître de notre vie. Ah oui, complètement. Tu peux aimer cette personne-là, je ne dis pas le contraire. Mais si tu t'es pas fixé un cap, c'est-à-dire où tu veux aller dans ta vie, si ce monsieur-là il rentre pas dans cette case-là, franchement, ça doit être une décision rationnelle. Parce que derrière, et je crois que c'est Mehdi Pigeon qui disait ça là-bas. Non, c'est pas Mehdi, c'est. Comment ça s'appelle? Ah, ma chaudée. Qui disait quoi? Ouais, son nom reviendra. Il disait que plus tu restes dedans, derrière, vous allez prendre un crédit, voiture, maison, vous allez faire des enfants, et là, effectivement, tu restes dedans. C'est Maddy qui disait ça. Maddy. Ah, t'as regardé ce directeur-là ? Ouais, j'ai regardé. C'est Maddy qui disait ça. Ok. Donc, non. Tu sais très bien dans le départ. Enfin, quand je dis dans les départs, c'est les deux premières années au moment où vous n'avez pas, vous êtes encore en train de tester. Bien sûr, vous avez les papillons et tout, mais tu es en train de voir comment il est en train de. Tu découvres encore au fur et à mesure du temps. Oh là là, si tu le vois, il est comme ça, fuis. C'est vrai. Fuis. Franchement, c'est vrai. Mais attention, Yannick, ce que tu dis, c'est. Voilà, les gens, comme je disais la dernière fois, le jour où il y avait Maddy, encore une fois, aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent dans des faux. Profil, exactement. Dans des profils types. Ça peut être le profil type du super religieux qui pratique, mais de fou malade, qui va venir, qui va t'incorporer ça dans ta vie, tu vas voir avec lui. Et tu vas te dire oui avec la religion, donc lui tu vas accepter. Mais tu connais pas ta religion. T'en as d'autres qui vont venir. L'indulgence, en fait, tu mets cette indulgence là en place, et comme elle a dit, Ce sont des faux profils types. Ils se mettent dans les faux profils types. On est vraiment dans ça, quoi. Ça peut être la religion, ça peut être financier, ça peut être même oralement, genre pour te montrer que c'est un genre de mec qui est super participatif. Exactement. Mais en fait, il participe à rien du tout. Tu as trop de faux profils. Et le gars, pendant 2 ans, il peut faire le faux profil. Et toi, c'est à la 3e année quand il est fatigué de faire le faux profil. Et toi, tu découvres qu'en fait, le faux profil, il est passé où? Voilà. Et tu découvres un nouveau profil après. Ah, c'est ça le vrai profil. Pour moi, c'est dangereux ce que vous dites. Non, mais c'est la réalité. Je dis pas c'est dangereux par rapport au mec. Lui, ce profil-là dont vous parlez, c'est son travail, grosso modo. Donc lui, il est là pour faire ça. Moi, ça me fait peur parce que toute femme que j'entends indépendante-ci, indépendante-là, votre cerveau, il y a des signes qui vous montrent pas. C'est possible. Pendant 2 ans, Il n'y aurait pas eu autant de femmes piégées. Et toutes ces femmes qui ont été piégées, ne sont pas forcément des nounettes. C'est des femmes réfléchies, des fois, qui savent prendre du recul et qui ont réussi à s'attacher. Elles arrivent à vraiment, comme tu dis, avoir ce petit déclic. Donc, elles captent que vraiment, c'est que du blabla, on va dire. Ouais. Mais malheureusement, t'en as. Je ne sais pas si on peut dire aveuglées, mais en tout cas. Ok, ils avaient juste quoi? Moi j'essaie de voir c'est quoi ces profils. Ils avaient quoi? Ils avaient de l'argent, ils étaient beaux gosses. C'est très très. Là si on rentre dans. On a pas fini. Non, ça existe, crois-moi. Non, mais je dis pas que ça existe pas. Je dis, essayons de les reconnaître. Parce que ce que vous me dites. On peut pas les reconnaître. Okay. Ils vont toujours avoir une petite touche qui vont faire que. C'est une excuse que vous donnez parce que vous voulez rester dans les trucs. Soit parce qu'il a de l'oseille, soit parce que machin et tout. Non, c'est ce que je dis. Si tu m'expliques pas. Mais c'est pas ok, je comprends pas. Reprenons l'exemple de Massiga. Elle est attachée à. Pas elle. Non, pas moi. Pas elle. Mais l'exemple qu'elle nous a donné tout à l'heure, c'est une femme qui peut être indépendante parce qu'elle est dans un appartement, elle paye forcément le loyer, elle a forcément une vie à faire. Elle a forcément un train de vie à faire vivre à la maison. Donc directement, elle va la mettre dans la case de femme autonome par rapport à ce qu'elle dit. Okay. D'accord. Le gars, elle l'a rencontré, il a utilisé un profil type. Et qui est peut-être un gars qui travaille, au bout de 3-6 mois, le gars il travaille plus.
Ok. Il va lui sortir une disquette. J'ai des projets, mais t'inquiète pas, j'ai des projets, je suis en train de les faire et tout, je suis en plein dedans. Les projets qui prennent du temps, ok, tu te mets dedans. Non mais là, finalement, je suis encore dans mes projets, mais ça prend du temps. Mais en vrai, il a pas de projet en vrai. D'accord. Tu vois? Est-ce que tu ne vois pas ça, qu'il a pas de projet? Parce que tu le vois effectivement tourner à gauche à droite, mm-hmm. liker des trucs que sur Facebook ou Instagram, il va se coucher et tout, tu le vois pas ça pendant ces 3-6 mois qu'en fait Il fait rien quoi. Ouais. Oui, à un moment donné tu le sais, mais t'en as, ils arrivent à bien cacher leur jeu dès le début. Hein. Ça peut durer un an comme ça, ça dépend. Et ça, comment c'est, et toi, au bout d'un an, déjà, ben, un an c'est beaucoup dans une vie quand même, hein. Tu m'enlèves un an, tu me fais pas voter pendant un an, déjà c'est énorme. Donc après, c'est vrai que si au bout de 2 ans déjà tu t'en rends compte, donc c'est déjà bien. Mais il y en a, elles se disent non, il va s'en sortir. Joba, il est motivé, c'est un beau parleur. Non mais t'inquiète pas, aujourd'hui j'ai eu un entretien, j'ai été, nanana. Ah bah c'est bien, tu dis. Et même des fois, pour aller plus loin, il peut faire semblant de faire rentrer une grosse somme d'argent à la maison. Mais bien sûr. Pour te faire croire que oui, c'est vrai, ce que je te dis, ça marche. C'est juste qu'il faut travailler longtemps. Franchement, moi je dis. Ça existe, Yannick. D'accord. Pourtant, moi je connais des gens, elles se sont fait avoir et pourtant, c'est pas des filles. Elles sont très coriaces. Bien sûr. Donc après. Massiga, bien sûr. Heureusement que c'est pas tout le monde, hein. Je sais pas que c'est. Il y aurait pas autant de femmes piégées, Yannick, s'ils n'avaient pas les super stratégies, ces hommes-là. Ah, dis donc. Donc voilà. Là, vous faites peur parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Non, mais certainement, il y a beaucoup d'hommes. C'est vrai, Messiga. Les gens font peur. Non, mais c'est vrai. Sérieusement, il y a beaucoup d'hommes qui. Il faut bien s'en prendre dans la réalité dans laquelle on est. Il y a beaucoup d'hommes qui se lancent dans des projets et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Oui. Je dis à ces hommes-là, oui, de ne pas rentrer, de ne pas se mettre en relation. Pour moi. Parce que dans tous les cas. Ah, mais tiens, elle a dit, oui, ça existe, mais on croit en lui, on l'encourage. Ben oui, exactement. Non, mais en fait, moi, j'ai lu la question, mais en fait, j'imagine autrement. Donc, en fait, oui, ça existe, on sait que c'est un mythomane, mais on croit en lui, on l'encourage. Dans le sens, on sait que c'est un mythomane. Qu'est-ce que tu fais avec un mythomane, si tu le sais? Mais parfois, des fois, regarde. C'est pas... Parfois aussi. Non, mais sérieusement, regarde, tu peux trouver un jeune, je sais pas moi... T'aimes trop les jeunes, une cougar ou quoi? Non, même pas, même quand je dis un jeune, c'est quelqu'un de mon âge. Enfin, okay. On est jeune encore, je trouve. Enfin, je pense qu'on est jeune, moi je suis jeune. et par contre, cette personne-là, elle a eu un passé assez difficile, donc du coup, elle t'explique que voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Toi, tu te dis, toi, t'es assez mature, on va dire un petit peu, tu dis, t'as envie d'aider cette personne-là, de lui laisser une chance en fait. Tu vois, tu te dis, bah, je lui laisse une chance, il va peut-être évoluer, il va peut-être changer. Il a autre chose à apporter. Il a autre chose. Voilà. Et tu te donnes les moyens, tu penses que, voilà, tu lui laisses la chance, donc il va essayer de changer. Mais au final, tu vois que non. La personne, elle est encore tellement ancrée dans ce qu'elle faisait dans son passé, auparavant, que voilà, elle ne peut pas changer. Moi, je ne blâme pas ce que tu fais à ta vie, c'est-à-dire donner la chance à un gars qui, effectivement, il a vécu des choses, machin. Voilà. Mais aujourd'hui, il se présente en disant, ok, en disant, j'ai vécu ça, mais et tu y crois. J'ai pas de souci. Je dis juste, pendant tout ce laps de temps où vous apprenez à vous connaître, vous apprenez encore à vous connaître, parce que vous vous dites, effectivement, c'est toi, tu vois que le mec, il bouge pas, et tu continues dans ça. Et je comprends que c'est cool, vous voyez, vous embrassez, vous sortez au cinéma, machin, et tout. Mais je dis que c'est tellement important la vie, ta propre vie est tellement importante que tu dois te donner au maximum les moyens de pouvoir discerner la personne avec qui tu es. Parce que demain, ça va être éventuellement le père de tes enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui divorcent ou qui se séparent, ils ont des enfants, bien ou pas bien, peu importe. Mais t'as pas envie que ton enfant... Le but de se mettre avec une personne, c'est pour aller jusqu'au bout. Oui, c'est sûr. Donc t'as pas envie forcément de te séparer de la personne et il va se mettre avec une autre personne. Donc, en fait, Yannick, si je t'écoute bien, ouais. Zéro indulgence. Sur quoi? Sur qui? Sur le profil type d'en face. D'en face. Quand tu parles comme ça, il n'y a pas d'indulgence, c'est des débuts. Bon, t'as 6 mois, t'as intérêt à me convaincre, sinon je te. Et quand on est comme ça, ils nous le reprochent. On les fait fuir. Fais-les fuir. Je vous dis. Non. Alors, très sincèrement, vous avez une valeur. Moi, j'estime que j'ai de la valeur. J'en ai rien à faire. Si tu rentres pas dans mes cas, j'en ai rien à faire, c'est-à-dire que t'es. Parce que dites-vous bien, quand vous êtes là, vous cédez trop rapidement. Les mecs ils disent, t'es pas si celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai de la valeur,
j'ai comment ça s'appelle, des convictions, machin. Je vous le dis, le mec que vous voulez, il va venir si vous êtes exactement la personne pour ces critères-là. Donc, c'est plus difficile, c'est normal. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on raconte? Parce que là, c'est chaud là, on va dire. Il y a, je crois que Messi et moi, on se rejoint. Ouais. Et il y a Yannick qui est... Mais en même temps, je suis d'accord un peu avec ce que tu dis, mais je trouve que tu... Yannick a un message pour toi, regarde. Alors, elle a dit, Yannick, on peut vivre avec la personne pendant 10 ans ou plus, on ne le connaît pas à 100%. Où il cache son vrai visage. Mais Camille, elle a totalement raison. On ne se connaît pas soi-même. Parce que. Tu te connais pas. Non, mais si. Moi, je me connais très bien. Mais si tu dis quelque chose par d'autre, tu n'as qu'à dire à personne de se calmer là. On se connaît pas soi-même. On se connaît pas soi-même. Parce que combien de fois ça vous est arrivé de dire, mais je pensais pas que j'allais à surmonter cette épreuve, ou je pensais pas que j'allais tenir même pendant la période du ramadan. Tu dis au début, je vais pas tenir, mais tu tiens parce que voilà, on se surprend beaucoup soi-même. Donc déjà toi-même tu te connais pas et tu viens, tu fais le mec ou le gars, tu veux connaître à 100% la personne que t'as pas de toi, mais t'es déjà perdu. T'es déjà perdu. Non, je dis pas connaître la personne à 100%. Je dis qu'il y a quand même un minimum, bordel. Pas besoin de connaître à 100%. Moi je. Franchement, t'es une femme, tu peux être très attirant, y a pas de souci, ton physique ça va me plaire. Je vais parler avec toi, 2-3 semaines, 1 mois, 3 mois, si je vois que t'es pas, on va pas dans le même chemin, ça veut pas dire que tu es mauvaise ou quoi que ce soit, si je vois que t'es pas dans le même chemin. Moi, c'est pas la personne peut avoir l'air, tu peux avoir un profil type qui joue bien son jeu, il a l'air d'être c'est ma mère, ton idéal, mais par contre... Il y a 2-3 détails que tu dis, vas-y, je vais laisser. Je veux pas être intransigeante sur ça. Mm-hmm. Et après, au final, c'est au bout des 5 ans que tu te rends compte que. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, qui se sont dit, je vais laisser, mais au final, ils ont laissé, ils ont regretté d'avoir laissé. Bah oui, bon, quand t'apprends ça de ces gens-là, c'est pour ça que moi, j'aime. Enfin, beaucoup de nous jeunes, on aurait beaucoup regardé les anciens. Beaucoup d'anciens ou des bah, les anciens, ils n'étaient pas portés sur la perfection dans leur relation. Ils étaient plus portés. Tu es trop calme. Pas du tout. Si, mais si, t'es calme. Hein. Non, je suis pas calme. Vous trouvez que tu es calme? Je sais pas. Lui, te connaît plus, Mamad. Donc, il peut dire si tu as fait des directs avec. Je sais pas. Très bonne question, Kaby. C'est quoi ton minimum pour connaître la personne, toi, Yannick? Mon minimum mes critères. Finalement, c'est quoi mes critères? Que tu sois réfléchi. Que tu sois réfléchi. Imagine, la fille, elle est pas réfléchie, mais elle a un bon discours. M'en fous. Ça se voit très rapidement. Non, moi, tu sais quoi? Je ne blâme pas cette fille-là si, entre guillemets, elle arrive à nous. Karma. Je me blâme, moi, je lui dis. Comment t'as pas pu voir ça? On peut pas tout voir. Mais si, tu penses qu'il y a des choses qui se. Voilà. Bien sûr, il y a des choses qui trahissent. Il y a des discours, par exemple, tu as des menteurs, ils se perdent des fois dans leur propre mensonge. Ouais. Tu vois. Mais on ne peut pas tout voir, Yannick, ce n'est pas possible. C'est not possible. C'est très possible. Non. Tu peux me voir. Hein? La faute sera sur moi. Si tu réussis à m'avoir, je prends la faute sur moi. Parce que en faisant cela, c'est aussi mental ce que j'ai. En faisant cela, je sais que j'ai le pouvoir de changer ça, cette action-là. C'est-à-dire que tu m'as eu, ok, je me rends compte que c'est pas ta faute. Toi, t'es programmé comme ça. Moi, j'ai appris et je coupe direct court. C'est plus facile pour moi qui suis un homme, puisque, bon, grosso modo, pour nous les hommes, bon, le sexe n'est pas aussi profond comme ça, beaucoup d'entre vous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je peux être avec une femme aujourd'hui, mais après, ok, c'est la première fois. Des hommes qui pensent comme toi, il y en a, mais pas beaucoup. Hein. Franchement, pas beaucoup. Ouais, bah, arrêtez de les fréquenter, c'est pas beaucoup. Bah, malheureusement, finissons seuls. J'englobe hommes et femmes que de se mettre avec des gens, hommes ou femmes, qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. C'est pas un 100 mètres la vie. Franchement, quand j'avais 20 ans, je pensais que j'avais l'impression que ça allait finir demain ma vie, à 25 ans chaque fois. Là, je me rends compte que j'ai encore plein de temps. Vos histoires de votre horloge biologique, vous ne pouvez pas avoir d'enfant à, je ne sais pas, 35-40 ans.
plein de femmes dans mon pays, au Bled, ont des enfants quand elles sont encore plus âgées. Donc, faites attention à ce que vous mangez, rééquilibrez votre alimentation, votre santé, peut-être que ça ira mieux. D'accord ? Donc, oui. C'est pas une course de fond. Prenez le temps de scruter à fond cette personne. Et quand vous prenez le temps et que vous faites transpirer pour vous avoir, croyez-moi. Quand on prend ce temps-là est-ce et qu'on se consacre à notre vie professionnelle et à tout ce qui est voilà, notre avenir, on nous appelle les femmes indépendantes. C'est très bien. Merci. Donc après. Mais même voir, aujourd'hui, est-ce que les hommes sont suffisamment patients face à une femme qui les fait. Qui les fait courir, comme tu dis. Crois-moi. Avec qui te veut. Est-ce que la nouvelle génération est assez patiente, mais c'est pas. Ah, beaucoup moins. Moi j'entends beaucoup. Ah, tu fais beaucoup la meuf moins. Ah, tu fais la meuf. Et alors? Ouais, tu fais la meuf. T'es un mec qui te parle de. Ah, tu fais la meuf, tu le mets sur le côté direct. J'avoue que c'est par contre, ouais. Moi, un mec qui me dit tu fais la meuf, déjà, ça c'est okay. Pas trop. Non, je fais pas la meuf. T'es c'est pas trop dans ma. Salut. Comme il a dit, c'est pas trop dans mes cases, donc déjà. Ok, next. Non, mais est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont aussi patients que les hommes d'hier? Non, je pense qu'on est plus. On, tout le monde, enfin, notre génération, même les femmes. Autant les femmes, en fait. Femmes bien sûr. Autant les femmes, il n'y a plus de patience, il n'y a vraiment plus d'impatience. Et il y a beaucoup moins d'indulgence aussi. On n'est vraiment pas indulgents. Nos parents, enfin, tu rigoles, nos parents, ils ont vécu des choses, mais. Que nous, on ne pourrait pas traverser. On ne pourra même pas la moitié, même pas le. C'est pas comparable. Donc. Après, voilà. Hein. Je pense qu'on va passer à la question suivante. Remonte un peu qu'on lise les messages, le truc qu'il y a eu, parce que je sais qu'il y a pas beaucoup de. Ça en a eu. Tac tac tac. Ok, descend. Tac, maman dit on en a eu quand il a dit qu'à domicile d'être un peu plus agité. Mais elle réagit pas. C'est quoi ton minimum pour connaître la personne? Tu l'as dit, ça je crois, non? Ouais. Le minimum, c'est que tu dois voir si la femme est de bonne moralité et avec. Les mêmes buts que moi, et après ses défauts vivre. Il y a des gens en divorce à cause des défauts, maman. Hein. Combien de temps il faut prendre Yannick pour connaître les gens? C'est pas une course, ma petite. Hein. Pas une course. Elle a dit non, comme en fait, t'as pas de deadline. Non, faut pas se mettre une deadline. Alors, Kaby, elle a dit Yannick, c'est l'épreuve de la vie. Vas-y, vite, ma chère, est-ce que tu veux lire? Vas-y, Yannick, je t'en prie. Bon, alors, Yannick, c'est l'épreuve de la vie et le destin. On peut rencontrer une personne, on fait le parcours ensemble, par exemple 5 ans, puis on se sépare. On ne peut pas savoir si la personne est bien ou pas en avance, c'est sûr. Ok, j'ai pas de souci avec ça. Si, t'as un souci avec ça. Non, je n'ai tu pas de souci dit, avec ça. Tu nous as dit, quand la personne est là, ouverture de dossier, oui, bonjour. Okay. Bien sûr. Next. Mais bien sûr. Oui, mais le dossier peut être complet bien avant, après la personne a changé de faire. Merci, Messi. Le dossier peut être. On aurait dit, c'est le lendemain que vous allez signer le contrat de mariage. Non, il te présente la chose, ok. Tu avances. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 2 ans. C'est très bien, 2 ans. C'est très bien 2 ans. Je reste sur mon. Moi je sais pas, même en 2 ans, tu n'arrives pas à connaître une personne correctement. Même en 2 ans. Non, je dis pas de la connaître entièrement. Peut-être que c'est là où j'arrive pas à me faire comprendre. Mm. Je veux pas que vous appreniez à connaître la personne entièrement. Mais je dis que vous avez certaines valeurs et il y a certains points clés qui sont propres à chacun. Moi je suis pas monsieur moral ou je sais pas quoi. Oui. Chacun vit comme il veut. Si tu vas avoir 20 femmes, si tu vas avoir une femme, si tu veux. Voilà, c'est ton problème. Mais selon tes. Critères que tu as établi au minimum, ces personnes-là doivent les avoir. Et après, c'est à chacun de définir pour lui, c'est ce que je dis. Et derrière, quand tu viens me voir en me disant, ok, 5 ans après, il a complètement changé, je me dis, putain, effectivement, tous ces mecs que vous décrivez, visiblement, il y en a beaucoup, et sont hyper forts pour réussir à tenir 5 ans sans que vous arriviez à griller leur jeu. Oui, Yannick. Ils grillent leur jeu, ou même ils ont changé, ou ils sont sur d'autres longueurs d'onde. Ou voilà, les gens ne veulent plus faire d'efforts pour que ça se passe mieux dans le foyer. Et ça existe, Yannick. Je te le dis. Kaby, j'aime bien ce qu'elle dit. Elle dit que la différence avec nos parents, c'est le respect. Oui, les gens, nos parents, ils se respectaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, on se respecte. Quand tu vois un mec qui dit à sa femme, ferme ta gueule, tu te dis, il y a un problème. Ouais. De respect, déjà, de soi-même. Franchement, vous parlez des nouvelles générations, on aurait dit vous n'êtes pas là, enfin vous, c'est pas vous personnellement, mais j'entends des femmes dans la rue parler, j'ai peur. La dernière fois, venant ici, dans les transports,
le chauffeur du bus, il a oublié de s'arrêter. Harry. Oui. Oh, la jeune femme, comme elle lui a parlé, a traité toute sa famille. Mais bien sûr, il y a des femmes aussi qui sont très insolentes. Hein. Bah, donc, une femme comme ça... Ça existe, hein. Une femme comme ça, j'imagine même pas si elle est avec son homme. Non, avec son homme, ça se trouve, elle est douce. Bon, question après. Mais si, ouais, mais elles arrivent même parce qu'elles savent qu'il y a un enjeu derrière. Donc elles arrivent à se contenir. Non, mais franchement, non, moi je pense que franchement, la nouvelle génération, je me mets dedans. Le respect là, il est ouf. Dans cette nouvelle génération là, toi, moi, comment ça s'appelle, ma senior, même maman qui a participé la dernière fois, il y a des gens, qui font des choses, je dirais, presque correctement, qui ont des valeurs. Enfin, moi j'ai des valeurs, très sincèrement, si je répète. Pour moi, quand je rencontre une femme, on va parler et on va évoluer maintenant selon mes valeurs. Vraiment, ça va s'arrêter très rapidement, mais toi-même, tu vas le sentir en fait. Et je veux, parce que ce qui est bien, c'est que aujourd'hui vous travaillez. Vous avez la possibilité d'être autonome. Oui. Vous avez la possibilité d'être beaucoup plus écouté. Que vous preniez aussi cette part de responsabilité-là et pas dire « Ah, c'est parce que c'est un manipulateur. » Si vous prenez le temps de vous étudier à fond, crient, méditent, ça sert à ça. Méditent. Ouais, quand tu pries, tu te retrouves avec toi-même, tu penses à ce que tu veux, tu penses à... Ça sert à ça, pas juste ok. Et après, il basta. Ouais, c'est juste ça, il faut que ça t'amène à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Mamad Mauritania ? Il dit impatience car on consomme l'amour comme une canette ou Kleenex. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte aucune difficulté en couple une fois qu'il y en a un, on fuit. Et la fuite, c'est le divorce pour certains. On appelle des hommes manipulateurs, Yannick. Donc je pense que Kaby, elle est d'accord avec nous, ça existe des hommes qui manipulent. Non, mais ça existe des femmes qui manipulent, c'est aussi, des hommes qui on n'a pas dit que ça n'existait pas, mais c'est juste qu'il faut que tu comprennes et que tu acceptes que ces personnes-là, on ne peut pas les déceler avant de s'engager avec eux. Ah bah, donc. Il faut que tu acceptes. Oui, il faut que tu acceptes nos différences. Non, la dernière fois, vous n'arrivez pas à les déceler. Attends, c'est pas une application pour ça. Je suis sûre, elle va bientôt sortir. Alors, Kaby, elle a dit, il y a certains hommes ne connaissent pas la valeur des femmes. Ouais. Si. Oui, parce que peut-être elles n'ont pas de valeur, ces femmes-là. Il y a des femmes qui n'ont pas de valeur. Hein. Pas toutes les femmes qui sont valeureuses. Et arrêtez d'incorporer toutes les femmes avec vous. Il y a des femmes qui ne valent rien du tout. C'est vrai. Oui. Il y a des femmes qui ne valent rien du tout. Oui, c'est vrai. Donc, tout comme il y a des hommes qui valent à l'estomber, il y a des femmes qui ne valent rien du tout. Mais... Nous, en tant qu'hommes, on arrive à dire non, celui-ci, machin. Mais vous prenez tout le monde avec vous. Les merdes, les... Mais non. Si. Mais non. Il entend très rarement. Mais non. Comme tu as dit tout à l'heure, quand on parle des hommes de Saint-Denis, enfin des jeunes de Saint-Denis qui sont délinquants, tu ne te sens pas concerné. Okay. Dans ces cas-là, si tu sais que tu n'es pas comme ça, tu n'as pas à te sentir concerné, tout simplement. Merci, Siga. Non. Merci, Siga. Ok, ça va. Ok, on a Smiley Fatih qui nous dit bonjour. Je voudrais vraiment que vous mentionniez le sentiment des enfants lorsque leurs parents divorcent. C'est pire que tout d'avoir des parents divorcés. Vous avez quelque chose à dire sur ça ou pas? C'est pire que tout. C'est dans quel sens c'est pire que tout quand les parents divorcent? Bah, l'enfant est attaché, il est habitué à un quotidien, à un rythme de vie avec ses deux parents. Je ne suis pas. Comment on appelle ça? Professionnel de la psychologie, mais si quand tu es avec si les deux parents ils se déchirent devant les enfants, je préfère qu'ils se séparent et qu'ils soient bien de leur côté et que leurs enfants ils soient bien quand ils les voient, parce que ça a une influence obligatoirement, ça influence vos enfants quand vous embrouillez devant eux, quand vous criez devant eux, quand vous faites des trucs devant eux. Donc je sais pas quelle est la situation précise de laquelle tu parles, des cas Smiley Fatih, mais il y a des cas où c'est mieux pour tout le monde que les gens se séparent, vraiment. Après le problème c'est quoi, c'est que je pense que ce qu'elle dit, je comprends un peu,
Mais le souci, en fait, c'est que nous, en fait, je vais parler de la diaspora africaine, nos parents, ils discutent pas vraiment avec nous. Non, là, il n'y a pas de communication, en fait, parents-enfants. Comparé à un couple, on va dire, européen, qui vont peut-être, il y aura dans la communication. Expliquer que papa et maman en ce moment ça va pas. Enfin, ils vont rentrer dans la communication, ils vont leur faire comprendre. Nous, des fois, c'est assez brusque. On comprend pas. Donc, il y a des embrouilles. Non, mais c'est vrai, il y a des embrouilles. Et du jour au lendemain, tu vois que ta mère, elle vous prend, vous partez de la maison, ou ton père, il est plus là. Et il y a vraiment pas de communication. Donc, il est là le problème. Après, les enfants grandissent avec ça et des fois, c'est dur après. Ça devient une frustration totale. Ah oui. Je vais prendre un cas concret. Ouais. D'accord. J'ai 34 ans. À l'heure actuelle. L'année dernière, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré mon père après 25 ans. Ça a été quasiment 25 ans que je n'ai pas vu. Ouais. Et bon, j'en ai pas forcément. Il y a des moments où effectivement je pense qu'avoir un homme à la maison, son père, serait servi. Des choses que je n'aurais pas fait. Mais. Parce que ta maman a pris le relais correctement. Il y a des mamans pour qui aujourd'hui, il y a des femmes, elles n'arrivent pas, elles sont fatiguées, elles sont à bout. Ouais, bah c'est la vie en fait. Parce que réellement, quand tu me dis elles sont à bout, prends ma mère à moi, qui avait 5 enfants élevés seuls. Vous êtes en train de parler, machin. Et c'est pas la seule. J'ai des tantes qui ont été dans cette situation parce que leur conjoint n'était plus là, pour différentes raisons, divorce ou décès. Elles ont tenu à bout de bras. La nouvelle génération, hommes comme femmes, on a tout est facilité. Tout est facilité, réseaux sociaux, machin et tout. Mais c'est un truc de fou. On est devenu plus simplifié. Alors que c'est dans ces moments-là que tu grandis. C'est parce que j'ai eu une femme dans ma vie, ma mère, qui j'ai vu comme un travail, que je me dis, ok, la femme que je vais prendre, je sais quel critère je veux déjà au minimum. C'est pour ça que tu vas venir avec tes conneries, machin et tout. Ouais, tu vas vraiment intéresser. Alors, Smiley Fatih, le conseil qu'on peut donner vis-à-vis de ça, c'est comme elle a dit, messieurs Massiga, c'est vraiment d'établir la communication avec l'enfant. Les enfants, ils aiment voir leurs parents heureux. Des bons parents, ce sont peut-être des parents pas forcément heureux parce qu'ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent, dans le sens où on idéalise une personne et après on se rend compte que bah, du coup on doit se séparer de cette personne-là. Il faut leur expliquer aux enfants. Il faut leur expliquer quel est votre point de vue vis-à-vis de ça, quelle est la démarche que vous allez suivre, quel sera l'impact pour lui, une nouvelle école, un nouvel appartement, et là-bas il va se sentir mieux, etc. Donc établissez la communication avec l'enfant, c'est la meilleure des choses. Et c'est vrai que c'est jamais facile, c'est jamais acceptable. Je veux pas dire acceptable, mais tu as des enfants qui acceptent la séparation des parents parce qu'ils savent que leur maman derrière elle est pas battue, elle est mieux, elle pourra mieux les prendre en charge, etc. Il y a des enfants qui arrivent à être compréhensifs parce qu'on a établi la communication, ils ont vu des choses en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord. L'être humain, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, un enfant va s'adapter beaucoup plus rapidement à la situation qu'on ne le pense. Sinon, ils ont là, machin et tout, je te le dis. Ça moi, quand j'étais petit, tout à l'heure, tu as dit dans notre communauté, les Noirs, on ne parle pas beaucoup, ce qui est une réalité. Et ça ne nous empêche pas de fonctionner tout aussi bien que les autres communautés, réellement. Bon, je le dis, 25 ans sans mon daron, quelqu'un a pris le relais, en l'occurrence c'est ma mère. Bah là je pense que si elle en parle, je pense qu'elle doit être concernée aussi, je pense. Non, je ne dis pas le contraire, c'est pour ça que je ne rentre pas dans son carré précis, précisément. Voilà. Mais tes enfants, si vous êtes séparés, déjà parce que vous embrouillez et tout, je pense personnellement que c'est mieux que vous soyez séparés que de vous embrouiller. Mais l'enfant ne voit pas forcément ça comme ça. Ouais. L'enfant va s'adapter. L'enfant va s'adapter. On n'en disconvient pas de ça. Mais l'enfant, évident, sur le coup, il est quand même un peu touché, Yannick, dans le sens où ça lui fait mal de voir ses parents. Et même les enfants qui vivent sur le coup des parents qui sont en train de se crêper les chignons, se battre, etc., l'enfant a mal. Parce que ça lui fait mal de voir ces deux personnes qu'il aime être en conflit. Est-ce que je dis, séparez-vous, c'est mieux? Oui, séparez-vous, c'est mieux, mais l'enfant ne le vit pas comme ça. Ne le voit pas comme ça. L'enfant aimerait que dans l'idéal. Non, il a dit si tu l'expliques. On est d'accord. Mais même si tu l'expliques. Si tu l'expliques. Mais en fait, toi, Yannick, on va te gérer dehors, en fait. Non, moi, dehors. Non, parce qu'il lui-même, il va être bien sûr. Si tu l'expliques. Ce que je dis, si éventuellement, si tu l'expliques. Ah oui, mais même si tu l'expliques, l'enfant préférerait voir ses deux parents ensemble. L'enfant, il va s'adapter. Oui, il va s'adapter. L'enfant peut s'adapter, mais il n'y a pas de souci. En fait, le problème, c'est pas ça. Sur le coup, moi, que ça ne va plus dans le couple, il y a une séparation qui doit
doit y avoir lieu, il n'y a pas de problème pour moi. C'est pas un problème. Le problème, il est qu'il n'y a pas de communication d'institut. Tu n'expliques pas à l'enfant qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, vous avez levé la situation. Entre moi et papa, ça ne va plus. Il y a trop de disputes. Donc, nous, voilà, ton papa, il va aller dans une autre maison et moi, je vais rester avec vous, avec quelqu'un d'autre ou toute seule. Là, en fait, l'enfant, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va comprendre. Surtout si tu l'expliques. Mais en tout cas, si tu l'expliques, là, il va se dire bon, bah. Quelle est ta démarche? C'est peut-être mieux comme ça, mais bien des sûr. Fois c'est ton parent disparaît comme ça et pourtant il est là, hein. Il disparaît comme ça, tu le vois plus le jour au lendemain et tu sais pas, tu comprends pas en fait. Et ensuite l'enfant se retrouve avec un autre beau-père qui arrive de nulle part et qui lui imposait ses règles et tu l'as jamais connu. C'est difficile à vivre, Yannick. Mais vous parlez des choses vraiment, c'est dommage que... C'est pas parce que toi tu l'as bien vécu que tout le monde doit bien vivre, Yannick. Il y a beaucoup... Bah ouais, mais tant personne n'est hein. venu me parler de je sais pas quoi, vous machin. J'ai l'impression que c'est à la télé que vous regardez ça. Ouais, mais attends. Ça existe. Non, mais j'ai pas que c'est pas vrai. Je dis juste que les enfants s'adaptent. Si vous faites les choses, vous qui vous êtes séparés correctement, c'est-à-dire... éventuellement lui parler. Ah mais nous on parle pas de ce du long terme. On parle de, on relit ce qu'elle a dit. Elle a demandé, tu peux remonter s'il te plaît. Elle a demandé quel est le ressenti. Donc du coup elle veut savoir ce que l'enfant ressent tout de suite. Pas dans 5 ans, 6 ans, pas dans 2-3 mois, maintenant. Après pendant la semaine où les parents ont pris la décision de s'être séparés. On est d'accord, c'est bien ça, c'est ça non? Après, le sentiment des enfants lorsque leurs parents divorcent, donc c'est maintenant. C'est lorsqu'il a divorcé, pas au bout de 6 mois. Il a dit au bout de 6 mois. Que ça lui fasse mal sur le coup. Bah, c'est au bout de 6 mois que la maman prend le relais. Elle a réagi après, oui. En bas, elle dit. Au bout de 6 mois qu'elle prend le relais, c'est pas de mal. Vas-y, au bout de 6 mois qu'elle prend le relais, ça veut dire c'est. Quand on divorce, c'est pas tout de suite que tout va bien. C'est au bout de 2, 1, 2, 3 mois, le temps de se retourner, le temps d'accepter la situation et de prendre les décisions nécessaires vis-à-vis de la situation, que les choses rentrent dans l'ordre. Non ? J'exagère ? Oui, non, t'exagères pas, mais en fait, c'est ça parce que faut. Certes, on est. Enfin, nous on est africains, on est nés ici. Yes. Enfin, nos parents viennent de l'Afrique, donc forcément eux là-bas. En fait, les enfants qui sont nés en Afrique, qui ont grandi avec leurs parents là-bas, eux, il y a des séparations qui se font, ils n'ont pas le même problème que nous. En fait, eux, ça se fait au fil. Enfin, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Mm-hmm. C'est comme ça. Nous ici, c'est pas pareil. Nous, on sait très bien qu'entre nous, on est nés ici, on a la double culture un petit peu. Donc, c'est sûr que tu vois tes parents qui séparent comme ça, on l'a pas tous vécu de la même manière. Peut-être que toi, tu l'as bien vécu, mais il y en a, je te jure, ça les a perturbés dans leur vie. Moi j'en connais, j'ai des cousins à moi, ils ont plus leur père parce qu'il y a eu séparation et l'enfant il est complètement parti dans des problèmes, voilà, dans la délinquance, dans le refus total. Dans, ou même le fait de ne pas accepter son futur beau-fils, son futur beau-père aussi, ça, parce que sa maman n'est pas rentrée dans la communication au moment de la rupture avec le père. Que je suis une assiette de. Mais ça on peut comprendre un peu nos parents parce qu'ils sont pas dans ça, ils sont pas dans la communication eux. On peut les comprendre dans un sens. Que tu n'acceptes pas ton beau-père ou la nouvelle personne qui rentre dans la vie de ton papa ou ta maman, c'est naturel. Que ça te fasse mal, que l'enfant ait mal au moment où les parents se séparent, c'est normal. C'est normal. Merci. Maintenant. Ça fait 3 heures qu'on essaie d'avoir ce petit mot de sarouche. Mais ça change rien en fait. Tu peux laisser que son père va passer à la question suivante. Ça change rien. Avant de passer à la question suivante, ça change rien du tout. Non mais sérieusement, je parle sérieusement. Okay. Ça change rien. Tu peux avoir mal sur le coup, mais attendre 3 mois, 6 mois, non, c'est maintenant que tu dois passer à ça. Et la raison pour laquelle éventuellement certaines personnes tournent à la délinquance ou à la violence ou autre, ça a à voir avec l'environnement. Tu as plein de gens, papa, maman, ils sont là, ça se passe très bien, ils ont de l'argent, et ils tournent à la délinquance. Ça n'a pas forcément à voir avec le fait de divorcer. Oui, ça a à voir où mais tu es placé. C'est pas faux, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Tu peux descendre. J'aime pas, il y a trop de gens qui me connaissent qui viennent. Non. Alors, attention, il faut savoir que nos parents viennent de loin. On ne pense pas comme eux. C'est sûr. Et pour eux, c'est pas notre problème, donc pas de communication. C'est intéressant ce qu'elle a dit. Ce que maman fait et ce que papa fait ne te regarde pas. Ah nous c'est comme ça chez nous. Et c'est pour ça que je vous dis que l'enfant s'adapte très bien. Oui, l'enfant s'adapte, mais comme on dit, nous aussi, l'enfant a mal et il a besoin d'être pris en charge par sa maman ou par son papa qui lui explique les choses pour pouvoir surmonter, pas la problématique, mais surmonter l'épreuve. Nous, on est trop dans le... pas tout est tabou, mais c'est tabou chez nous en fait tout ça. C'est tabou. Tes parents sont séparés, la main, tu. Voilà, on dit rien. On voit les choses, ça se passe, mais on dit rien. Et tu peux même voir que ton père, il est en train d'embrouiller ta mère pour une histoire, mais tu dis, mais papa, tu devrais pas faire ça, mais c'est tabou, tu mets pas tabou. Bon, après, c'est ça, hein, tu mets pas tabou dedans, tu restes comme ça. Tout est tabou. C'est ça, en fait.
C'est tabou chez nous. Tabou, c'est... Enfin, nous, on voit ça comme du respect. Oui, c'est... Oui, complètement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et tu... Il y a des choses... Hormis sur la violence, je ne comprenais pas que tu mettes ta bouche entre les discussions de tes parents quand ils sont en train de s'embrouiller. Hormis si ton père est violent avec ta maman. Mais même dans la violence, hein, chez nous, même dans la violence, tu ne dois pas, tu dois même pas intervenir. Non, je ne dis pas que tu dois. Ah si. C'est comme si tu étais un manque de respect. Tu as des parents, ils disent oui. Ils vont dans, tout de suite dans le manque de respect, hein, ça va vite. Hein. Franchement, bah, tous les hommes. Et j'en ai pas un là qui est connecté, te dirait que non, je vois mon daron, il touche à ma mère. Et tant plus pas, jeune, hein. Tu peux rien faire. Ouais, effectivement. Tant plus jeune, tu peux rien faire. Ouais. À un certain âge, oui, mais tant plus jeune, tu peux rien faire. C'est vrai. On va passer à la question suivante. Il y a maman qui dit, vous pensez pas que le divorce aujourd'hui, c'est une mode ou une démission? Une mode ou une démission? Une mode? Je penserais pas que c'est une mode, parce que sinon les gens ne mettraient pas autant d'argent pour se marier. C'est une mariage et une mode. Voilà, et comme on a déjà dit, maman, les gens se marient plus pour les bonnes raisons et n'ont plus forcément les mêmes objectifs, enfin, quand, avant de se marier en fait, ils n'ont plus les mêmes, comment dirais-je, ils n'ont plus cette, en fait, pour bien discerner le... Elle raconte des conneries là. Pour bien, en fait, avant de te marier, on dit, comme tu dis tout à l'heure, faut bien connaître son partenaire. Ok, il y a des minimums à savoir. Ben voilà, les gens ils prennent plus le temps de se connaître réellement et concrètement. Je pense que je rejoins Yannick. Pour les bonnes raisons. Ouais. Je pense que ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment le mariage qui est devenu la mode. C'est pas la cousine elle s'est mariée, ah bah tiens faut que je me marie, les garçons pareil, les cousins tout le monde s'est marié, ah ouais non faut, moi aussi faut que je me marie. Et pourtant t'es même pas prêt dans ta tête mais tu dis voilà comme tout le monde se marie, voilà la, ta tante elle est là, enfin ta mère elle parle dans tes oreilles, oui, l'enfant de un tel s'est marié, l'enfant de un tel s'est marié, ouais. La pression familiale, donc tu dis allez hop il faut que tu te maries, mais c'est pas comme ça qu'on devrait faire en réalité. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question Smally et j'espère qu'on a répondu à ta question Mamad. On passe à la question suivante s'il te plaît. On a dit qu'on ne doit pas tout accepter. Vrai ou faux, une femme amoureuse est bien plus investie dans sa relation avec son homme quand celui-ci prétend l'aimer tout autant. Est-ce que les hommes sont tout aussi... Pensez-vous que le mariage n'est pas fait pour tout le monde? Ça veut dire quoi ça? Merci Smally. Maman, en gros, si tu veux nous dire, est-ce que le mariage est fait pour tout le monde? Bah non, tout le monde n'est pas prêt à se marier. On ne doit pas tous se marier au même moment, sinon ça n'a plus de sens. J'essaie de comprendre ta question. Pensez-vous que le mariage n'est pas fait? Maman, t'as qu'à appeler au 09 70 40. Merci à Jabarou Soli. Elle a dit on se marie pour Allah et non pour les gens. Ouais, et les gens n'ont plus cette optique-là de se dire je me suis mariée pour Allah, donc... L'imperfection de mon partenaire, je vais être tolérant. Voilà. Après, ça, c'est ça dépend de la foi de chacun. Déjà, d'une part. Non, tu te maries pas pour lui. Hein. Tu te maries pour toi. C'est un point de vue. Après, non. Quel point de vue? Non, faut pas mélanger tout. Tu te maries pas pour lui. Pour tu Allah pas, tu, non, tu te maries pas pour Allah. Tu te maries pas pour lui, ton créateur. Tu te maries pour toi. Derrière, tu respectes certains principes que lui t'a indiqué pour que ton mariage fonctionne. Il marie pas pour lui. Pas alors attention, on va reprendre les choses parce que je pense que Adja Barou, c'est pas ce qu'elle. C'est pas. C'est, je pense que Adja, c'est pas ce qu'elle est en train de dire. Elle est pas en train de dire que tu te maries pour faire plaisir à Dieu. D'accord. Tu te maries certes pour toi, mais parce que Dieu t'a destiné de te marier avec cette personne, donc tu vas l'accepter comme. Je sais pas comment dire. Tu vas l'accepter. Est-ce que tu comprends? Voilà, en fait, tu vas accepter plus facilement ton prochain parce que tu sais que c'est ta destinée. Très bien. Donc là, tu vas dire, je me suis mariée pour Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu t'es mariée pour faire plaisir à Dieu. Il n'y a pas de souci, sauf que dans son livre, que vous connaissez, le Coran, il a aussi mis le divorce. Oui, elle a dit, attention, le mariage, c'est la moitié du dîme. Donc c'est pour ça qu'on dit. Il a aussi mis le divorce. Elle s'est mariée pour. Non, faites attention avec ce que. On ne va pas rentrer dans les trucs religieux, d'accord? Ouais, c'est. Mais faites attention quand vous commencez à dire des choses comme ça. Parce que c'est. Aussi pour ces raisons-là que certaines femmes restent dans le mariage, se font cogner ou je sais pas quoi, à cause de cette question de dîner ou je sais pas quoi. Arrêtez de. Je vous assure. Voilà, la passe choses, je vois ce qu'il veut dire un petit peu. Je vois ce que tu veux dire. Commencez pas à dire des trucs comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La majorité, franchement, pour être très sincère avec vous, il y a 3 ans, j'ai appelé mon meilleur pote il y a quelques temps parce que c'était le jour de son anniversaire, je me suis converti à l'islam. D'accord. J'ai étudié de manière exponentielle ce livre-là, le Coran. Et j'ai remarqué un truc,
c'est qu'une très très grande majorité des musulmans ne connaissaient pas leurs livres. Ah oui. Et ils sortent des trucs, je me dis mais c'est dingue. Et quand tu connais pas ton livre, tu commences à dire des ouais c'est ça, ça. Je sais pas si c'est ce qu'elle voulait dire. Comme non, mais moi j'ai compris ce qu'elle. Non, t'as mal compris en fait. Ok. Je sais pas si. Mais si, gars, t'as compris ce qu'elle voulait dire. En fait, elle a pas voulu dire tu t'es marié pour Dieu, pour faire plaisir à Dieu. Tu t'es marié parce que c'est ta destinée et Dieu l'a prédéfinie pour toi. Bah, c'est ce que je dis quand vous dites. Ma balle, ça va. Yannick, il dit va bien. Il est constamment en contradiction. Donc ça va. Je suis pas en contradiction. Je dis juste que quand tu dis des choses comme ça, certaines femmes vont rester dans leur couple alors qu'elles ne devraient pas, parce qu'elles vont dire ok, si je divorce, c'est à dire que je vais aller en enfer ou je sais pas quoi machin. Non, t'es bien. Les gens qui prennent pas ça. Il y a un amalgame qui est fait là, on mélange beaucoup les choses. Oui, si on a dit qu'est-ce qui est mélangé, dis-moi, rentre un peu plus dans le sujet, développe pourquoi tu as l'impression qu'il y a un amalgame qui est fait, il vient de qui et qu'est-ce que cette personne devrait prendre en considération. Tu veux que ça vienne de moi? Non, là, je te comprends. Qu'est-ce qu'il y a eu de refaire de considération? Il faut plus qu'on reste sur le débat du sujet de base, bien sûr. Qu'on rentre pas dans les. Ouais, qu'on rentre pas trop dans les des raisons religieuses, tout ça, parce que ça, en fait, chacun a sa. Alors, Léa Nelson, elle a dit: mon cher, comme tu es là, tu as ta compréhension. Il y a des gens qui cherchent le savoir pendant des années sûres. Ok, on passe à la question suivante. Donc on a dit qu'en fait, mais en fait on n'a même pas répondu à la question les femmes amoureuses, est-ce qu'elles sont plus investies? Mais bien sûr. Ah bon? Elles sont à fond. Elles sont regardées à trois fois. Non, vous avez dit vraiment. Quand tous les deux vous êtes amoureux là. Vous essayez de vous. Après ça dépend des femmes. De toute façon, moi je pense que dans le couple, la perfection ne peut pas venir des deux parties. D'accord? Il y a une personne qui va pécher sur pas une attente mais une qualité et l'autre qui va du coup être au niveau haut, donc on va se compléter. Par exemple, l'autre il est pas trop dans la paperasse comme on disait la dernière fois, ou l'autre il est pas trop dans le ménage, ou l'autre c'est pas préparé, donc on va se compléter de manière à trouver cet équilibre dans le foyer. Et bah des fois dans certains foyers il y a des femmes qui sont très investies et ça se passe bien comme ça. Et l'homme est un peu moins. Et dans d'autres foyers, bah, ça va être l'inverse. Ta question, est-ce que ta question, si je la comprends bien, c'est quand tous les deux vous êtes autant amoureux, ouais. D'accord, est-ce que la femme est plus investie ou est-ce que l'homme est tout aussi investi que la femme? La femme, elle est plus investie. Pourquoi? Moi, je dirais que la femme, elle est plus investie, parce qu'on va essayer de faire vite. Parce que la femme, comme on dit, et comme nos parents nous ont inculqué, comme tu dis, on est fait partie de la double culture. Nos mamans, elles nous ont toujours dit, tu es la femme, c'est à la, c'est toi, la femme, maison, tu es à la... toi. Tout à fait. Elle est à toi. Donc t'as un taf, en fait. T'as... Et l'homme, il a pas un taf? L'homme aussi, il a un taf, mais il est complètement nous, différent. En fait, nous, voilà, vous allez chercher l'argent, voilà, vous allez travailler, vous allez chercher l'argent, vous l'apportez à la maison, et après, nous, à la maison, c'est pour nous, quoi. Il n'y a pas de souci, moi je dis juste que l'un et l'autre sont totalement investis. Ah oui, 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 oui. Dans ce sens-là, oui. Enfin, moi, après, je suis un peu. Je vais peut-être choquer des gens, mais je suis un peu à l'ancienne. Hein. Donc, c'est-à-dire que moi, voir mon mari aller travailler tous les jours et moi faire le ménage, ranger la maison, faire la cuisine, pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est normal. Après, t'en as dit, mais non. Partager des tâches. Oui, c'est bien. S'il le fait, c'est très bien. Mais s'il le fait pas aussi, moi, ça me dérangerait pas parce que moi, j'ai toujours vécu comme ça. Limite chez moi, je suis deuxième maman, donc c'est-à-dire que je le fais tout le temps, donc c'est-à-dire que ça me choque pas, ça me... Pour moi, c'est banal. Après, voilà, tout le monde n'accepterait pas. Il y en a, elles ont pas la même vision des choses. Pour elles, c'est voilà, on est ensemble, des fois il fait la vaisselle, des fois il va faire le ménage. Bon, moi s'il le fait très bien, s'il le fait pas, bah voilà, je vais le faire. Et c'est pas pour autant que je vais me sentir plus soumise ou autre, hein, non? Pour moi, c'est. Je sais pas. Donc en fait, tu peut-être choquer des gens aujourd'hui, non, hein, tu vas pas choquer des gens. Mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Ma siga, donc en gros, tu me rejoins, la charge elle est beaucoup plus centrée chez la femme que chez l'homme. Non. Ok, on passe à la question suivante. On va passer à la question suivante sans comprendre. Quand je te dis t'es pro-féminine, t'es pro-femme, tu dis non, non, vous êtes pas là. Plus, vous êtes autant. L'homme est autant investi que vous. On parle d'amour. Quand l'homme il t'aime, mon ami, franchement. Pas rentrer dans les détails, mais pour avoir été ce qu'on appelle amoureux, ceux qui me connaissent, il y en a qui me connaissent d'abord, ils sont connectés. J'ai été avec une femme pendant un certain nombre d'années. Crois-moi, quand ça s'est terminé,
C'est chaud. Donc, quand tu es amoureux en étant un homme qui est amoureux de vous, inconditionnellement, comme on le dit, il est prêt à décrocher littéralement la lune pour vous. Il n'y a pas de manipulation, il est prêt à décrocher la lune pour vous. Il fera ce que vous voulez, machin. Ce qui est dangereux dans ce cas-là, c'est qu'il peut s'oublier. C'est-à-dire que tellement il est amoureux de vous, des fois, vous allez dire, il va faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Mm-hmm. Mais un homme qui est amoureux de sa femme, vraiment, c'est cool. Alors, Mamad, il a dit, pensez-vous que la culture d'origine nuit à nos mariages car on vit dans un monde plus complexe? Je pense pas. Trouver l'équilibre et prendre ce qui nous intéresse et jeter ce qui nous intéresse pas, ce qui nous est inutile. Est-ce que vous êtes du même avis Je suis mitigée. Pourquoi ça? Parce que je pense que d'un côté il a raison, le fait d'avoir notre culture, notre double culture, bah nous nos parents nous ont inculqué des valeurs en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que il y a la société aussi, bah voilà. Qui nous inculque notre. Ouais. Du coup, des fois, je sais pas si on sait plus trop. On n'arrive pas à fusionner les deux en fait. C'est difficile de fusionner les deux. C'est pour ça que je dis, il faut prendre ce qui t'intéresse et laisser le reste. Ouais. Après. Mais est-ce que ça doit être une problématique dans ton union? Parce que c'est ce qu'il demande concrètement. Pensez-vous, voyez? Pensez pas que la culture d'origine nuit à. Est-ce que ça doit nuire à ton mariage? Je pense que Mamad dit ça plus par rapport au fait que voilà, le fait que nous, quand je te dis nous faire les tâches ménagères et tout, donc c'est à nous de le faire. Mm-hmm. Et on sait que dans un couple européen, pour eux c'est non, c'est. Voilà, comment dirais-je, enfin ils disent l'égalité des sexes ou quoi. Donc, voilà, partage donc voilà, partage des tâches, tout ça. Donc pour eux, nous c'est pas notre culture. Pour nous, la femme elle a sa place et l'homme il a sa place. Donc du coup, il y en a, elle mélange tout. Donc après, faut savoir se positionner. Trouver sa place et prendre ce qui nous intéresse. Je pense, hein. Moi en tout cas, pour faciliter la tâche, je pense que voilà. Après, il faut sortir de sa zone de confort aussi, aller chercher un peu plus loin. Mm. Pourquoi ceci, pourquoi cela, de manière à. Parce que des fois, on croit que quelque chose n'est pas intéressant pour nous, en fait. Si on cherche bien. Ouais, comme elle dit Sonia, il faut trouver l'équilibre. C'est exactement ça. On passe à la question suivante. Tu ne te prononces pas. C'est très bien. Donc tu es de notre avis alors? Non, mais après, ah on va me taper dessus. Mais non, en fait, ça fait voyant. Ah ouais, j'en pense que tu quand même. Sans menacer là. Tu fais la victime. Jamais de la vie. Pourquoi tu dis je te chicotais alors? C'est grave. Vas-y, dis ton point de vue, on t'écoute, on est là pour débattre. Tu es pas d'accord pour en fait. La question elle est très bien, c'est juste que j'essaie de savoir, tu l'as très bien résumé de toute façon, prendre de ce qui est bien dans une culture et prendre ce qui est bien dans l'autre, faire un mélange et avancer. Si c'est pas bien là-bas, on va y aller. Tu prends ce qui t'intéresse. Mm-hmm. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais, je sens que t'es pas sincère. Vas-y, dis ce que t'as dit à Nicolas qui a avancé, pardon. Non. Voilà, même Mamad, dit t'écoute. Ah, Mamad, on t'écoute. Hein. Je te dis, on t'écoute. Plus je prends de l'âge. D'accord. Non, c'est pas toi qui dis ça. Plus je deviens ce qu'on appellera entre guillemets conservateur. D'accord. D'accord. J'apprécie ce que mes parents, mes grands-parents faisaient. D'accord. Donc. Il y a des choses qui sont très bien en Occident. Parce que, comme vous dites, on a double culture. Moi, pas la double culture. Juste la manière dont je parle, qui est. En Côte d'Ivoire, on dit je chocote. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas d'accent. Oui. Exactement. Mm. Mais hormis cela, quand tu me vois dans la rue, machin, dans la réalité, les mecs, ils sont pas en train de te dire t'as une double culture. Ah non, donc, moi, j'oublie ces histoires de. Exactement. Donc, j'oublie ces histoires de double culture. Et bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses que. J'essaie d'apprendre, d'étudier, de revoir, et c'est Dekash Smali qui disait, je pense qu'il doit parler d'ethnie. Ouais, dans mon ethnie, il y a plein de choses que j'aime bien. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop la bouffe de chez moi. Mais plus je grandis, plus, oh là là, quand l'appelait toi, comme dirait l'autre. Trouver l'équilibre, comme elle dit Sionel. Quand on est jeune, je pense qu'on essaie de se fondre dans la masse ici. Donc, on suit le mouvement. Exactement. Maintenant, plus tu prends de l'âge, il y a des choses que. Bon, c'est pas forcément. Je dis pas que j'envie cela, mais ça ne correspond pas au mode de vie que je vais avoir. Ah ouais, moi c'est ça aussi. Par exemple, toi, t'es dans le textile. Mm-hmm.
je me rends compte que je commence à beaucoup plus aimer la mode africaine que la mode européenne, entre guillemets. Les bazins, machin, parce que je suis amené à parler avec eux, je vois des trucs, je fais, oh putain, je ne porterai pas forcément cela ici tous les jours par rapport à des activités professionnelles et tout, mais je sais que si j'étais en Côte d'Ivoire, je dirais que 95% de ma garde-robe, ce serait ça en fait. Et franchement, c'est terrible. Coucou Arlette, bienvenue à ce direct. On va passer à la question suivante. Que se passe-t-il? Lui, c'est quoi? C'est quoi la question? Alors, on a répondu à quoi dans sa relation? Est-ce que le véritable amour inconditionnel ne concerne pas que la relation parent et enfant? On peut ne plus aimer son ou sa partenaire, mais est-ce possible de ne plus aimer ses enfants? Ouh là là, la question elle est chaude. La question elle est belle. Déjà, ma première pensée, c'est... Est-ce que le véritable amour ouais. Pas que, est-ce qu'on peut ne plus aimer ses enfants? Là, je suis sûre qu'on va faire interagir les gens vont être énervés là. Comment ça, t'aimes plus tes enfants? T'es à ouf. Tout à l'heure, en plus, t'as ressorti un exemple de quand tu étais à l'hôpital un 31 janvier, un 31 décembre, 1er janvier, et que tu as vu une maman prendre son gosse dans les mains. Et quand ton gosse, il fout la merde aussi, des fois, t'es grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez des avis à donner sur ça ou pas? Sur la question. Que en fait, l'amour inconditionnel, comme on l'entend, ça ne concerne que les parents et leurs enfants. Bien sûr que non. Ah ouais? Ouais. Tu divorces de ton enfant? Ah non, mais moi je pourrais répondre à la question numéro 1. Ouais, est-ce que le véritable amour inconditionnel ne concerne pas que les relations parents-enfants? Bien sûr que non. Sinon, il n'y aurait pas de couple qui reste ensemble de manière. Or que ça ne va pas. D'accord. Et disons, si je la reformule, j'ajoute quelque chose. Mm-hmm. J'ajoute quelque chose à cette question-là. À notre époque, est-ce que ça ne concerne pas que ça, parents-enfants, à notre époque? L'amour inconditionnel existe. Les gens le vivent, les gens en vivent. D'accord? Il peut très bien être de ton enfant, mais il peut très bien être de ton partenaire aussi. Est-ce que tu penses que tu peux avoir le même amour que... Non, moi je suis pas d'accord. Ouais. Vas-y, je t'écoute Alex. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir le même amour pour tes enfants que pour ton homme? Il y en a pas un qui est plus fort. Me concernant, je dirais non. Mais à savoir, on n'est pas tout seul. Sur cette terre, il faut tout pour faire un monde. D'accord. Aujourd'hui, tu as des faits divers où tu as des femmes qui se sont remises avec des hommes ou qui sont avec des hommes et qui aiment tellement leur nouveau partenaire, ont carrément mis des stratégies en place pour éliminer l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ça? Est-ce que ça, c'est pas de l'amour inconditionnel pour son nouveau partenaire au péril de ton enfant? Je vous écoute. Non, non, je te crois sur ça. D'accord. Ça existe, hein. Donc ça existe. L'amour inconditionnel peut venir. Et je dirais même que un homme ou une femme peut faire que tu mettes ton enfant de côté. Aussi, ouais, ça existe. Et que tu le chicales parce qu'il a mal parlé à ton à ton nouveau partenaire. C'est vrai. Donc oui, ça existe. On peut aimer plus son homme que son enfant. Alors attends, là il y a un pavé là qui arrive là. Il y a un vrai sujet qui arrive là. Alors, Arlette Tongui, elle a dit: pour ma part, jamais. Je suis maman d'un premier petit ange. Je serai toujours amoureuse de mon fils. L'amour inconditionnel en couple existe, mais les deux amours sont différents. Tout à fait. Alors là, elle a répondu à la question. Mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Nous sommes dans un monde où il y a de tout. Il y a des gens qui gèrent leurs émotions à leur manière. Donc, c'est bien pour toi, Arlette. Je pense que c'est le même cas pour Massiga, pour moi, peut-être toi, Yannick, futurement, quand tu auras des enfants. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dans la majorité des cas, les gens normaux. Donc, dans la réponse, en fait, c'est un oui et un non. Alors. Oui, c'est et non. Subjectif, ouais. Voilà. Tout à fait. C'est oui et non, ça dépend de qui, des relations, etc. Et etc. On passe à la question suivante. Continue. T'as quelque chose à dire ou pas? Ou tu vas débattre ici aussi? Demande-moi. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui vous aimez plus, qui entre votre enfant et votre homme. Pas.
Imaginons, et je l'ai dit plusieurs fois. Il n'y a pas de degré. J'ai dit plusieurs fois, bah, je vais te mettre un cas très précis, tu vois. Voilà. Comment ça fait ? Imaginons que vous soyez. Parce que j'ai raté un truc. Vous soyez sur une falaise. Une falaise. Et votre enfant et votre homme s'approchent à la falaise et vous ne pouvez en sauver qu'un. Oui, là. On peut passer à la question suivante. Ah, moi j'aurais pris mon enfant, pardon. Moi j'aurais pris mon enfant direct. Toi, ça aurait pris qui ? Je sais pas. Mon homme, je répondais pendant un petit temps après. C'est bidon de répondre à ce genre de questions. C'est pas bidon. Non, je dirais pas bidon, mais. C'est des trucs qui t'arrivent jamais. Ah bon, il n'y a pas d'accident sur la route ou effectivement. Mais t'as pas le choix, tu ne choisis pas. Tu prends ce que Dieu te donne. Ils sont là les deux. Qui tu prends ? Mais tu prends Arrêtez de mettre ça sur lui, les deux sont là. Les deux sont là, ok, choisis. Ça veut pas dire que tu es mauvais si tu as pris ton enfant. Je sais pas choisir. Ils m'ont dit, c'est pas le même amour. C'est pas une question de même amour. Il n'y a pas, un amour plus fort que l'autre. Un cas concret à ça. Un cas concret. J'ai pas de réponse à donner. Tu prends personne ? Donc les deux tombent. Je suis sûre, mes enfants me regardent. Elles sont connectées à ma page YouTube. La dernière fois, je te l'ai dit, non ? Ouais. Elles regardent mes vidéos H24. Je les aime aussi. Et de manière inconditionnelle. Même si je les chicote. Même si, voilà, je suis prête à tout aujourd'hui pour elles. Et je n'ai pas de compte à rendre à ce sujet. Donc, non. Donc, tu vas aller prendre tes filles, je veux. Ouais, peut-être. Oh merde ! Non, je plaisante. Non, je réponds pas à ce genre de questions parce que je n'arrive pas à me projeter. Je ne peux pas me projeter sur ça. Et je pense que Dieu ne me laissera jamais le choix de choisir entre. Voilà, tu vois, là, ouais. Il ne laissera pas choisir entre qui préfères-tu. Non, garder c'est pas ou pas. C'est quelque chose de. T'es dans un cas précis. Si, tu peux choisir. Non, tu je choisis pas, moi. Okay. Ce genre de choses. Je choisis pas. Toi, t'as choisi ton enfant, c'est ça ? Et toi, t'as choisi qui, ton enfant ? Toi, t'as choisi ta femme ? Ta femme ? Parce que des enfants, tu peux en faire d'autres. Non. Parce que. Parce que tu sais pourquoi tu choisis ta femme ? Dis-moi. Parce que tu n'as pas encore d'enfant, Nuka. D'accord. Voilà. Tout simplement, on en reparle d'ici quelques temps quand t'auras des enfants. Ok. Ok, on passe à la question suivante. Alors, allez-vous la question suivante ? En fait, il y a un long message là qui arrive. Ouais, mais je te dis, Yannick, toutes les questions, il y a plein de trucs qui sont pas arrivés là. Mets à jour ton machin. C'est un décalé. Bon, c'est un décalé. Mets à jour, c'est direct en même temps. Je peux pas te dire. Il y a 2-3 pavés qui sont venus en même moment pratiquement, on est d'accord ou pas ? Ouais, mais c'est le même pavé là. Ah, c'est le même pavé ? Non, oui. Ok. Faut blâmer la technologie. Excuse-moi. Pourquoi voulons-nous une histoire d'amour sans accro alors que la vraie vie est faite de haut et de bas ? J'en suis sûre, ça va intéresser ma madame. Voilà, tu vois le message qui m'était pas. Sionali, elle a dit parfois, il faut choisir. Ceux qui se remarient, ils sont confrontés au quotidien à des tensions ou conflits entre la nouvelle compagne et leurs enfants. Il faut choisir. Arlette, elle a dit non, pas du tout, Yannick, c'est pas la même. Je pense qu'elle parle de l'amour enfant et machin. Non, c'est sûr que c'est pas la même. C'est pas le même amour. Et tu peux pas dire, ouais, j'aime plus mon enfant que mon homme. Non, j'ai pas dit ça. C'est ça le truc. C'est que j'ai pas dit en choisissant, comment ça s'appelle, en sauvant la vie de ton enfant, en sauvant la vie de ton homme, tu aimes plus ton homme ou pas. J'ai juste dit si ce cas-là arrive. Et peut-être que c'était un peu trop extrême. Ouais, je peux comprendre que tu veux pas répondre. Maintenant, voilà. Si on a dit, elle a posé un autre cas. Ok, les gens se remarient et il peut avoir conflit. T'as vu, elle a dit non, j'ai envoyé un autre pavé. Ouais, envoie-le encore. Si on a dit, ceux qui se remarient, parce que ça, c'est des cas concrets, il peut avoir conflit entre les nouveaux maris, la nouvelle femme et l'enfant. C'est très souvent ça. Il faut choisir. Donc, en gros, ce qu'on veut dire, c'est. On n'a pas répondu à la première question. Hein. C'est quoi la première question ? Pourquoi voulons-nous une histoire où il n'y a pas de problème, alors que la vie aujourd'hui, elle fait qu'il y a des hauts et des bas ? Déjà, elle regarde trop la télé. C'est clair. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Je pense que non, personne n'est à la recherche de la vie parfaite. Hein. Non. Quand on idéalise la perfection, c'est pas forcément. Une vie sans accro en fait. Non, je sais pas. Les gens savent que la vie est imparfaite.
Je ne sais pas si ça. Et du coup, quand ils réalisent que la vie n'est pas parfaite, ils sont pas bien, quoi. Ils ont des pressions, ils ont du mal à accepter les choses. Est-ce que c'est pas plutôt des gens qui se fixent des objectifs difficiles à réaliser ? Et du coup, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils sont quand même élevés et ont du mal à accepter que l'objectif que je me suis fixé n'a pas été réalisé. Parce que ces gens-là, des fois, ils savent très bien que dans ce monde, rien n'est parfait. C'est pas plutôt l'objectif ou le fait de se donner une deadline sur une relation ou autre qui disent qu'en fait, la vie, elle est... Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ouais, j'ai compris. Est-ce que c'est pas plutôt ça ? Parce que moi, je pense que les gens savent que la vie est imparfaite. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? C'est plutôt ça qui fait que tu dis « ma vie est dure, ma vie est compliquée » par rapport à ce que tu te fixes toi-même, en fait. C'est ça ? Oui, il y en a qui disent que la vie est peut-être parfaite, mais je pense pas. Je suis pas d'accord. Je dirais pas que je suis pas d'accord, mais je pense que les gens sont conscients qu'on est dans une vie très, très, très difficile. Pas tous au même degré. Tu sais, ceux qui ont été élevés dans une vie qui ont eu tout dans la facilité, tout, vraiment tout. Et ben ces gens-là, des fois, quand ils arrivent à se plaindre, ils ont du mal après à construire leur vie eux-mêmes. Après, ils ont du mal parce que pour eux, tout était tellement facile que aller chercher du travail, mettre des projets en place, et ça devient difficile parce qu'ils ont toujours tout eu qu'au final, ils ont du mal à monter pour moi. Est-ce que si je te dis que ces gens-là arrivent à se plaindre, tu me crois ? Bien sûr. Donc du coup, ces gens sont au courant que la vie n'est pas parfaite. Oui, mais ils vont se plaindre, mais pour eux, ils vont dire, mais pourquoi, pour eux, ils sont, enfin, pourquoi le monde, ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas atteint un certain objectif ou une certaine deadline qui se sont fixées. Ou pas, parce que des fois, ils sont pas fixés, justement. Ouais, ou parfois, ils sont pas fixés ou ils sont en mode à l'arrache. Non, c'est pas une question de batteur, mais vous allez sur des gens qui ne concernent pas nous, dans nos catégories. C'est pas une question de se fixer des objectifs qui sont trop. La raison pour laquelle les gens se démarrent, éventuellement, se prennent la tête énormément, parce qu'il laisse s'installer une certaine routine et que parce que tu es avec ta femme, quand tu arrives pied sur le canapé, tu veux, comment ça s'appelle, télé, machin, ou toi, comme tu es avec ton mari depuis longtemps, bon, t'es plus là à te dire ok, je vais stimuler en prenant soin de moi, ce genre de choses. Ce sont ces petits détails-là qui disent que, entre guillemets, ta vie, ne pas sortir, aller au resto, en week-end, machin, des petites choses, tu vois. T'es même pas obligé d'aller, même sans besoin d'avoir d'argent, juste aller vous balader tous les deux tranquillement, machin et tout. Toutes ces petites choses-là que tu faisais pour la séduire ou pour le séduire. Tu faisais pour la séduire. Mais oui, mais c'est vrai, tu le fais plus. Tu ne le fais plus. Toi, garçon, homme, et toi aussi, femme. Je dis c'est dans les deux sens. Ouais. Après, je blâmerais éventuellement plus les hommes parce que je pense, et c'est ma manière de voir, parce que éventuellement, j'ai été élevé comme ça, c'est notre responsabilité, nous, hommes, de driver la chose. Comment ça s'appelle ? J'oublie tout le temps les noms. Bref. Elle disait que si toi, en tant que son homme, tu fais des actions, tu la motiveras encore plus, elle, pour ça, qu'elle... C'est, Abby qui a dit ça. Exactement, c'est Abby. Abby a dit ça dans le sens... Et en plus, quand Abby a dit ça, vous l'avez blâmé, je m'en souviens. Non, c'est Kijana qui l'a blâmé. Moi, j'ai pas blâmé. Ah. J'ai dit, ouais, effectivement, je pense que tu dois être le leader. Derrière, elle va suivre. Ouais, elle va suivre encore de manière beaucoup plus exponentielle si tu montres que... Voilà, quoi, tu fais des choses bien, quoi. Mais je le dis, c'est pas besoin de faire des très grandes choses. Il faut avoir des petites choses, comme on dit, le bonheur se trouve dans les choses simples. Exactement. Ce que tu faisais au départ, continue à le faire. Et éventuellement, la problématique, j'ai un mentor qui disait ça. Ah, okay. Arlette Tonguy à l'écho. Merci Arlette, parce que moi je me suis tue, j'ai rien dit, je me suis dit bon. Je ne l'ai pas blâmé. J'aime trop quand les gens sont là. Pas sur cette partie-là. Il est en train de contester. Non, pas sur cette partie-là. Bon, regarde, pas sur cette partie-là, j'en suis sûr et certain. Il avait dit non, mais ça voudrait dire que tu es matérialiste. Jamais de la vie. Dans le sens où tu as besoin d'être tenu en laine.
pour pouvoir chuchoter. Je m'en souviens. Non, jamais pas vu. Non. On regardera. On regardera la vidéo tous ensemble. Beaucoup quand même. sur cette partie-là, et je disais à Kijana et à Abby, parce que Abby c'était elle, c'est ce qu'elle disait, si tu fais les choses à l'extérieur, ça va me motiver. Je dis non, elle nous donne la manière dont elle fonctionne. Je disais à Kijana, elle nous donne les règles du jeu. Maintenant, soit tu veux les suivre, soit tu veux pas les suivre, mais moi, c'est comme ça que j'entends faire les choses. Arlette, pardon, on a qu'à laisser. Arlette, il va pas reconnaître, laisse ça. Va sur YouTube, sur Désir et Deviens, va regarder la vidéo, j'en suis sûr et certain. Alors, on passe à la question suivante. J'étais en train de dire quelque chose, j'ai oublié. C'est pas grave. Oui, c'est grave. Donc, en gros, non, t'étais en train de dire que ouais, t'avais besoin d'être. T'as besoin de driver ta partenaire pour la motiver à. De continuer à faire ses petites choses. Totalement. Totalement. Si tu continues à faire ses petites. Ça peut venir des deux parties, hein, pas forcément que côté mal. Ça vient des deux. Non, les deux, ouais. Ça vient des deux. Je dis, la manière dont tu étais propre. Elle a dit, si, Yannick. Et tu l'as dit le jour où le mec arrête, bon. Tu ne l'auras plus. Je te jure, c'est bon. Arrête, Arlette, t'es une championne. C'est. Clairement, ce qu'il a dit, je m'en souviens, il a dit, et le jour où le mec arrête, eh ben, tu ne l'aimeras plus. Arlette. Merci Arlette. Franchement, Arlette. Tu déchires. Arlette. Champ. Arlette. Hey, une séance gratuite pour toi, là. Je ce que tu veux. Arlette. On va te bloquer sur cette chose. Tu me fatigues. Ah là là, mon Dieu. Franchement. C'est bon, on passe à la question suivante ou quoi? Il y en a plus? Si, si. Ah, on a fini. Non. Ah, c'est une énorme. Bah, est-ce réaliste de croire et de vouloir rester toute la vie avec la même personne à notre époque? Bien sûr. C'est réaliste? Mais oui, c'est réaliste. Et pourquoi pas? Les gens ne se marient plus pour les bonnes raisons. C'est un slogan. Les gens se marient plus pour les bonnes raisons. Mais ils veulent rester ensemble toute la vie, ils divorcent au bout de 6 mois. Enfin, on évolue, tout le monde évolue. Après, même chez comment ça s'appelle? Même chez nos parents, nos arrière-grands parents, ils évoluaient. C'est juste que, en termes de conditions, ils étaient prêts à rester, même si Marie allait à gauche, machin et tout. Ils étaient prêts à rester. Oui. Aujourd'hui, est-ce que, parce que vous avez maintenant le pouvoir, mesdames, le pouvoir de pouvoir choisir si vous voulez rester ou pas. Quand je parle de pouvoir, c'est économiquement, job, tout ça. Est-ce que vous avez la capacité de vous dire « Ok, je vais quand même rester dans ça, ce que ma mère, ou ma grand-mère, nos arrière-grands-parents ont vécu ?» J'aimerais bien y croire, réellement. J'aimerais bien y croire. Et voilà, ça existe, bien sûr, c'est réaliste, c'est réaliste. Ouais, mais c'est super difficile, je dirais que c'est difficile en fait à notre époque. C'est très difficile. Ouais, voilà. Est-ce que c'est pas contradictoire avec la question qu'on a posée plus haut, qui est « La femme ne doit pas tout accepter ?» dans l'amour inconditionnel. Est-ce que cette question, la dernière question, n'est pas en contradiction avec cette question-là? Non. Je ne dois pas tout accepter, mais je ne dois pas... Je dois avoir envie de rester avec la même personne toute la vie. Donc, est-ce que indirectement, ça ne veut pas dire accepte tout? Moi, je définis ce que j'appelle ne pas tout accepter. Dans l'acceptation, je n'accepte pas la violence, en fait. Je n'accepte pas le manque de respect. Derrière, la vie, économiquement parlant, la vie est très compliquée. Tu peux être aujourd'hui dans ce taf-là, dans 3 ans, machin et tout, c'est pas. Il y a des mecs qui ont signé des CDI, leur boîte est cool, ça peut être compliqué, période de chômage, machin et tout. C'est compliqué, si t'es prête à rester dedans, machin. Enfin, tu veux dire, si votre relation est basée sur des bonnes fondations, il n'y a pas de raison de pas s'imaginer rester avec la même personne toute sa vie. Le but du mariage, à la base, c'est ça. Le but du mariage, c'est quoi? Le but du mariage, c'est de terminer sa vie avec cette personne-là. Le but du mariage, c'est de te protéger, toi, c'est pas ça. Pardon? Le but du mariage, c'est de protéger toi en tant que femme. Protection dans quel sens? Santé, déjà d'une part, parce que le gars, normalement, il va pas voir à gauche, hormis si il est dans un système polygame et tu connais les femmes qui va ramener dans ça. C'est bien, je suis pas toute seule. Ça me rassure. Tu connais toutes les femmes et tout. Et économiquement parlant, dans le sens où, auparavant,
faut pas oublier l'histoire. Vous ne pouviez pas avoir un taf où vous étiez très très minoritaire. Il y avait très peu de femmes qui allaient bosser, dépendaient entièrement des hommes. Donc le fait d'être marié à cet homme-là faisait que vous bénéficiez de tout. Exactement. Donc le but de la femme, enfin le but du mariage, pas forcément de rester toute la vie. Marié avec cette personne-là. Non, c'est je vois pas l'intérêt de se marier pour avoir tout ça. Déjà, comme tu dis, la santé, etc., etc. Mm-hmm. Et de se dire, bah, je vais pas finir ma vie avec cette personne-là. Non, je serais super. Si je me marie avec cette personne pour avoir tous ses conforts, notamment la santé, etc., etc., comme tu dis, c'est pour l'avoir de manière indéfinie en termes de temps. Très bien. Donc, c'est pour l'imaginer pour toujours. Ok. Je pense que toutes les personnes qui se marient, elles se disent dans leur tête que je vais rester avec lui toute ma vie. Hein. Je pense aussi. Tu te maries pour rester toute la vie avec la personne. Tu te maries pas pour un CDD. Ça n'existe pas, sinon c'est pas. Mais maintenant, après, voilà, il y en a. Si le divorce est permis, c'est que. Ouais, mais à la base, normalement, le mariage, il y a un certain nombre de temps, le mariage n'était pas aussi utilisé qu'aujourd'hui. Quoi ? Le divorce, pardon. Ah, tu me rassures là. Le divorce n'est pas aussi utilisé qu'aujourd'hui. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que tu remets pas les choses dans leur contexte. Parce que économiquement parlant, une femme qui décidait de partir, il fallait qu'elle soit hyper courageuse. Parce que derrière, pouvoir subvenir à ses propres besoins elle-même, et imaginons qu'elle prend ses enfants avec elle, c'était extrêmement difficile. Il faut pas croire. Vous êtes quasiment les premières à pouvoir bosser comme vous voulez, accéder à des études, lire. Oh, il y a encore, comment ça s'appelle ? Un peu moins de 70 ans. Spartan, on parle sur l'amour, on parle de l'amour. Il y a un peu moins de 70 ans, aux États-Unis par exemple, je ne sais pas, en France, je n'ai pas forcément regardé, elles n'avaient pas le droit à un chèque. Tu vois ce que je veux dire ? À chaque fois que tu devais faire quelque chose, tu devais demander à ton mari. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, hein, ce genre de critique. Ouais, mais moi je suis pas là-bas. Mais vous, si vous êtes là. C'est pas comme un cerf, ça. Elle est en France. Donc, aujourd'hui, il fait partie de ces femmes-là qui ont la possibilité de pouvoir partir. Je ne dis pas que ça va être facile, mais vous avez cette option-là et pouvoir subvenir à vos besoins. Mais personne n'est dépendant de personne. Ce qui fait que derrière cette facilité-là, bon, s'il y a des choses qui te prennent vraiment la tête, même ça peut être minime, des fois c'est minime, tu te bats, tout simplement. Merci Arlette, elle a dit il n'y a pas CDD dans le mariage, on se marie pour la vie. C'est vrai Yannick, tout le monde évolue et la femme aussi. Donc là, elle a récapitulé carrément ce que je suis en train de dire. On se marie pas pour un CDD. Je sais pas si mes cités d'accord avec moi, d'accord avec ça. On se marie pas pour un CDD Yannick, on se marie pour toujours. À la base, quand tu te maries, après c'est comme je dis, on se marie pour toujours à la base, mais aujourd'hui, les gens ne se marient plus pour les bonnes raisons. Donc c'est pour ça qu'ils essayent, ils essayent de se marier avec quelqu'un en mode chiffon, et après bah, ils divorcent pendant un certain nombre de temps. Chiffon, merde. Non mais t'as compris ce que je veux dire. Non, là, je sais pas. Les mecs se marient, mais ils savent pas vraiment pourquoi déjà ils se marient. Voilà, ils ont pas fait le point avec eux-mêmes et leurs propres attentes quant au mariage, tu vois. Okay. T'es d'accord? Je pense qu'ils savent, c'est pas sincère. Je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et bon, éventuellement, ils disent, ils imaginent quelque chose, mais ils connaissent pas la personne avec qui ils se marient. Ouais, mais des fois, tu te maries, mais t'as pas vraiment fait le point sur tes propres attentes. Quant au mariage, c'est vrai, crois-moi. Et les gens se marient. C'est une grosse décision. Et au bout de 6 mois, ils disent en fait, c'est pas ça que je voulais. C'est-à-dire, c'est pas comme ça que j'imaginais la vie de mariage. Ça revient souvent, c'est pas comme ça que je pensais à la vie de mariage. Et ben, tu peux faire avant de te mettre dans le bain. C'est que forcément, t'as pas fait le point sur déjà tes propres attentes. Et ensuite, t'as pas bien fait le point sur la personne que t'avais en face de toi. Donc le profil type a réussi à. Voilà, le profil type. C'est toi le profil type, ouais. Le profil type. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce direct. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as fini ? Merci à tous d'avoir participé à ce direct. Rappelez-nous, on peut trouver des trucs. Ouais, Messi, elle va se refaire, elle va vous faire un petit récapitulatif. Laisse la dame parler. Je pense que les hommes se trompent parfois. Ils ont une belle femme, il va pas arrêter. Bah oui, on se marie pas parce qu'on essaie mal dans sa peau ou autre, ouais, c'est sûr. Mais t'as des gens qui se marient parce qu'ils se sentent seuls, hein. Ils prennent un prétendant, ils le trouvent sur
C'est la mode, c'est la mode. Ouais. La business soirée, date mariée. Comment s'appelle le site là? Anchara.com. Ah non, je sais pas, j'avais ça, mais pourquoi pas. Le truc là, le logo, c'est un caddie, une nana qui pousse. Ah, Adopter Mike. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et bah quoi? C'est dans ça qu'ils... Qui ouais, ils vont, ouais, ah, ils trouvent des maris sur Adopte un mec. Mais c'est bien. Tu l'adoptes et tu le fais venir chez toi. Et tu le dégages au bout de 6 mois. Mais c'est ça, c'est. Et justement, moi je suis contre ce genre de site internet parce que ça, ça ouvre énormément à la tromperie, au vice, à plein de trucs négatifs. Et quand les gens. Sujet que je kiffe. Sérieux? Bah tu seras invité alors. S'amuse alors. Les cigares, présente ton truc parce que je pense qu'on va y passer la journée en fait. Oui, alors donc pour me retrouver moi, donc j'ai ma page Facebook, donc Messiglam, et non, c'est mon profil Messiglam et ma page professionnelle qui s'appelle Messi Wax où vous avez toutes mes confections de vêtements, donc vous pouvez me contacter directement dessus par message et je vous répondrai. J'espère que vous avez passé une bonne un bon dimanche, une bonne après-midi dans notre compagnie et voilà voilà. À bientôt. Merci Massiga, à ça hein, votre psychologue coach, ouais. Conseillère en image et votre relookeuse qui s'occupe de vous de manière à vous aider à affronter le quotidien, vous donner les bonnes bases qu'il faut pour pouvoir affronter la vie. Et sortir la parole qui est en vous parce qu'on a tous un point fort, mais il faut juste le trouver et le développer. Yannick, le mot de la fin. Il a peur, Yannick, là. Ouais, il est trop fait dans celui-là, il s'inquiète. Il y a une dernière personne qui vient d'arriver aussi. Bon, bah, Yaya Cecilia. Ah non, Aya Cecilia, merci d'être venue. Nous allons vous quitter. On va te quitter, c'est ma petite soeur. Et ah, maman, d'accord. Pour son débat de la polygamie, bah. On en ferait un, du coup, on en ferait un et Messi, je sais qu'elle aime beaucoup ce sujet. Je sais que t'aimes beaucoup ce sujet, Messi. Ouais, ça va. Tu seras une de nos invitées pour ce sujet. Pourquoi pas? Avec plaisir. Hein. Ouais. Bon dimanche, bye bye!